Et rebonsoir à tous, rebonsoir à toutes, ici le Don Alex. J'espère que vous allez bien depuis ce midi, enfin ce matin. Vous êtes en forme, on sera un petit live aussi ce soir du coup. Donc un petit live d'une heure et demie, de deux heures gros max, mais je pense pas aller aussi loin. Sur Pokémon Saphir, on fera une petite partie du jeu de la semaine aujourd'hui. On fera un plus gros live, je pense, ce jeudi, donc 2h30 jusqu'à 14h30. Et du coup, j'ai changé le planning. Alors, je vais vous modifier le planning ce soir. Parce que j'ai changé du coup d'horaire. Et mardi, je live pas. Mercredi non plus, je liverai jeudi, samedi, dimanche. Du coup, je liverai en fin de semaine trois fois. Parce que du coup, je pense que pas être trop là demain. Et mercredi, non, je suis pas là non plus. Donc ça va être galère. Et jeudi, samedi, dimanche, non, je suis là. Parce qu'il pleut à Lille en plus. Donc je vais pas sortir, je pense, ni samedi, ni dimanche. C'est les jours où les températures, elles sont pas trop belles. Donc du coup, je vais en profiter pour me reposer de la semaine qui est en cours. Donc du coup les amis, on est sur Pokémon Saphir. Donc je vais pas trop traîner, on a parlé du planning déjà en matinée. Donc si vous n'étiez pas là, aujourd'hui Pokémon, jeudi Pokémon, mardi et vendredi, jeudi pardon. Normalement c'est Ratchet & Clank Call for One, donc là du coup sera mardi et samedi. Je vais modifier le planning et je vous mettrai sur ce soir sur Twitter et Twitch et Discord peut-être aussi. Si j'ai le temps d'aller sur Discord ce soir. Comme ça vous verrez tout ça. Pokémon, attrapez-les tous, c'est notre histoire. Et salut la June, comment ça va? J'espère que tu vas bien, beaucoup de love à toi ma chère la June. Comment s'est passée ta journée? Est-ce que toi aussi tu étais dehors jusqu'à 21h? Je suis parti à 14h quasiment, je suis revenu à 21h. J'ai passé ma journée dehors. J'étais dehors, hein, vraiment dehors, pas dans une boutique ou chez quelqu'un. Toi aussi t'es crevé? Ah je suis crevé aussi. J'ai passé ma journée dehors. J'espère que tu vas bien la June, de ton côté, ça fait plaisir de te voir. En plus c'est du Pokémon. Et si vous connaissez pas la Dune d'ailleurs, n'hésitez pas à aller donner du love à la Dune, super gentille. Elle est adorable comme streameuse, vraiment. Elle est déjà adorable comme en tant que joueuse, mais en tant que streameuse elle est aussi adorable. Donc allez donner du love s'il vous plaît. Donc j'ai sûrement dodo sur ton live, ah, ça fait le plaisir la Dune. Bah, j'espère que tu vas dormir avec ma grosse voix là, qui est forte. J'espère que tu vas bien du coup, ça fait plaisir de te voir. Bon nous on va faire l'avancée de la Team Aqua, donc on avait trouvé le repère de la Team Aqua. Alors attendez, je vais vous mettre le jeu déjà, pour commencer. Alors attendez, Sen Gaming, attention. Et bonsoir à tous, c'est Don Alex, beaucoup de love à vous. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une très belle journée les amis. Alors, pour vous expliquer, j'ai fait quelques petits trucs en off. Alors du coup, il se trouve qu'en off, j'ai été chercher des Pokémon en plus, des Pokémon que je n'avais pas dans mon équipe. Alors, j'étais chercher au centre Pokémon Psychoquack, que j'ai remplacé par Ariama. Donc le Pokémon de petit combat qui est comme ça là, qui était vraiment fort, mais bon, il y avait juste Éclatroc sur lui, c'était un peu nul. Et j'ai mis aussi Morpheo, je l'ai laissé. Par contre, j'ai mis dans l'équipe, je vais mettre, on va le chercher de suite d'ailleurs, je crois même. On va le chercher de suite, j'ai oublié d'aller le chercher. On va aller chercher un Pokémon les amis au centre des élevages. On va aller chercher Balbuto, qui évolue en Karouine, qui doit être dans l'équipe de fin. D'ailleurs les amis, si vous avez 6000 je crois, points de chaîne, vous pouvez choisir un des 6 Pokémon de la ligue. Pour l'instant, Dratak et Metalos et Libégon ont été pris, donc c'est un seul Pokémon. Il reste 5 places, sachant qu'il y a aussi Emilmois qui a acheté un pseudo, mais il ne l'a pas demandé, c'est quel Pokémon qu'il veut choisir. Donc Emilmois, ben, j'espère qu'on va le recroiser avant qu'il n'y ait plus de place. Au pire, je lui laisserai le dernier Pokémon, je pense qu'il s'en fout, moi. Bon, on verra. Et sinon, ben écoutez, il reste 4 places. Il reste Kaorin, il reste Kyogre, il reste Gardevoir, il reste Kemorse, et il reste Milobulus. Donc si vous voulez choisir un des 5 Pokémon restants, n'hésitez pas à me le dire, les amis. Et puis je vous fais ça, tranquillement. Alors attendez, parce que je crois que mon écran il est pas bien positionné là, attendez. Bon, on va peut-être décaler un petit peu là, je crois que c'est pas très bien placé mon jeu. Alors attendez, je vais juste décaler vers la droite. Alors là où la Game Boy, hop, attention, hop, un peu décalé vers la droite, voilà, comme ça. Ok, c'est parfait. Parce que là je crois que le jeu était même pas très bien équilibré. Je vais peut-être même le réduire encore un peu et je vais le monter, hop, comme ça. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien le jeu, hein, qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, c'est le début du live, hein, on fait les réglages. Ouah, ça m'a l'air d'être nickel, c'est bon. Alors j'ai déposé du coup un Pokémon pour prendre Balbuto.
Donc je vais déposer, je pense, Morpheo, évidemment. Il est beau, mais bon, il faut que je le dépose. Voilà. On va récupérer pas le buto qu'on va faire évoluer en Kaorin, peut-être aujourd'hui, qui sait. Ce serait vraiment cool. Alors du coup, ah c'est toi. Donc là, donc Papinox a monté du level. Et ah non, bah, c'est bon. Oh c'est bon, il était déjà dans le PC. Ok, bon bah on va récupérer directement. Donc du coup, on prend Balbuto qui va qui évolue en Kaorin. Je crois que par évolution normale, non? Alors attendez. Déplacer. Balbuto, t'es où? Ah, il est là. Regardez, level 28 en plus. On a une équipe vraiment haut level. Hein. Regardez, je vais vous montrer la team. Incroyable. Vous allez être là, vous allez dire, waouh, très belle équipe, Alex. Donc on a Galegon. On a la Grone, Psychoquack. Et Edel, garde-voir à la Ligue. Et Balbuto qui sera à la Ligue aussi en Kaorin. Donc on a deux Pokémon de la Ligue qui sont déjà là, présents. Prêts à affronter tous les dresseurs qui dresseront sur leur chemin. Et puis, ben, on est prêt. Hein. Alors, c'est quoi? Je vais voler direction Up Nidukrik. Et puis, on va aller affronter la team Aqua. Ça y est, on va leur faire la plus grande misère du jeu qui soit. On va essayer de les fighter, mais tout doucement. Allez, c'est parti. Hop, vélo. Une roue. Allez, c'est parti. Hop, regardez, hein, y a pas mal d'élasticité pour faire une roue. Hein, hop, regardez, même dans les jeux Pokémon, on peut faire une roue. Regardez, hop, 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 début. Magnifique. Allez, on va couper l'arbre. Coupe. Chut. Je sais pas si le titre il est bon. Ouais, si le titre est bon. Je fight la team Aqua, là, là. Ouais, y a pas de faute. Je regarde s'il y a pas de faute quand même dans le titre. Ça serait quand même bizarre que quelqu'un arrive et dise, ah, y a une faute dans le titre, monsieur Alex Ancien. Vous imaginez la surprise. Ah, un Pokémon qui nous attaque dans l'eau, qui c'est? Tentacool. Ok. Alors moi, vu que je veux un Galegon, un Kaorin, je vais essayer de monter mon Kaorin, je vais le mettre devant. Il faut que j'ai un Kaorin assez puissant, genre level 40 là, ce serait pas mal, pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours là. Ah, s'il te plaît, sois pas empoisonné, Balbuto. Ah, nickel. Pouvoir antique, c'est... Oh, c'est une putain d'attaque ça. Non, tombe roche. Pouvoir antique, c'est monstrueux. Ah, c'est gros. Ah, non, c'est bon. Ouais, pouvoir antique, c'est une attaque très très puissante. Ah, il va empoisonner à force de faire ça, là. Bah, arrête, fais ta attaque poison, là. En vrai, Tentacool, il fait des attaques poison, il va m'empoisonner à un moment donné. Regardez, attaque acide, attaque dark venin. Ça y est, il a des tentacules, machin, là, il fait des attaques poison. Allez, tombe rush et tue-le, c'est bon. Hop. Allez, bye bye, Tentacool. Ok, Balbuto, qui a pas l'air de monter très rapidement. Hop. Allez, c'est parti. On va aller direction la grotte. Si on laisse tranquille 5 minutes, quoi. Non, non, c'est trop bas level, c'est bon. On va farmer autrement parce que là, on va jamais y arriver. Hop. J'ai plus en quel level il évolue en Kaorin. Je crois que c'est level 38. Ou c'est une pierre soleil. J'ai un doute. Ouais. On est où là? Oh, attendez, on connaît pas ce lieu, nous. Oh, on a trouvé un nouveau lieu. Attendez, on va visiter ça avant. Ah, faut pas mettre des lieux de visite pour le Don Alex, hein. Lui, il visite. Hein. Oh, des dresseurs. Oh, bah, magnifique. Ça va entraîner mon Balbuto. Ok, j'ai pas lu le dialogue, excusez-moi, j'aurais dû lire le dialogue. Alors, du coup, c'est un télékinésiste, ça. Ouais, un kinésiste, nickel. Calabra est envoyé par kinésiste Prosper. Ok, Balbuto, tu sais quoi faire. Allez, c'est parti. Rafale Psy, ça lui fait mal normalement. Ah non, non, c'est les attaques spectre contre les attaques Psy. Ah ben, pourquoi pas. Il est confus. Pouvoir antique, allez, on tente. On tente pouvoir antique, c'est une des plus belles attaques du jeu. Allez, si ça passe, il est mort un coup. Oh, il est mort. Il est mort normalement. Hein? Il a résisté à pouvoir antique, le gars, mais incroyable, mais il est fort. Attendez, je suis surpris, là, mince. Il est trop puissant, ce monsieur, voyons. Allez, hop, ça donne de l'XP pour Balbuto, ça. Voilà, c'est comme ça, nous, qu'on veut de l'XP. Non, garde-moi le même Pokémon, là. Si on peut monter level 29, ce serait magnifique. Allez, tombe roche. Aïe. Oh, ah ouais, prends cher, par contre, Balbuto, hein. Utilise tombe roche sur Solarock. Ça fait pas beaucoup d'effet. Ouais, bon, on va changer Pokémon. Alors, y'a qui dans mon équipe sinon qui est fort là?
Garde-voir, allez, on va prendre garde-voir. On va tenter un type ci là, ça pourrait le faire. Ah, ça peut le faire, ouais, un petit peu. Garde-voir, j'aime bien en plus, moi, comme Pokémon. Il n'y a pas beaucoup qui est fan, moi je le kiffe. Je trouve qu'elle est stylée ou stylée d'ailleurs. Est-ce que c'est une fille ou un garçon? Le sexe dit que c'est pas. Enfin, que c'est une fille. Mais pour moi, c'est peut-être un garçon. Non, c'est une fille du coup. Oh, c'est compliqué hein, ces histoires de type de Pokémon et leur sexe là. C'est un Pokémon, point. Hein. Oh! C'est quoi ce qui s'est passé avec sa vie là? Ça a bugué, vous avez vu? Sa vie, elle a bugué à un moment donné. Ils hésitaient en disant, est-ce qu'on lui fait beaucoup, on lui fait perdre un peu de vie ou beaucoup? Regardez. Bon voilà, Gardevoir, il a géré. GG Gardevoir. Donc Barbuto 498, Barbuto, ouais, Gardevoir qui gagne aussi 10 XP. Je suis triste! Alex remporte 744 Poké Dollars. Ok. On va aller voir en bas. Il y a quoi en bas? Une Pokéball. Alex trouve super bonbon! On a 3 super bonbons, les gars! Ah, c'est incroyable! Et bientôt, je vais vous mettre des votes hein, pour les super bonbons. Hein. Je ferai des, quand je ferai des lives, genre peut-être jeudi, je mettrai utilisable uniquement lors de ce live. Et genre pour 2000 points de chaîne, genre ce serait une promo ou quelque chose comme ça. Vous pourrez choisir à qui vous donner un super bonbon. Et je mettrai 3 possibles. Et j'essaierai d'avoir genre Wisebot à côté pour enlever à chaque fois de 1 en 1, etc. Ouais, il y a des ennemis et tout ici, c'est cool en vrai, j'aime bien ce lieu. On est dans nos paradis ici, waouh. Ouais, il y a des dresseurs et tout, regardez. Attendez, hey, je vais me la faire en dresseuse, attendez. Je vais soigner mon Balbuto les amis et je vais l'attaquer. Hein. Allez, soigne Balbuto mon pote. Hop. Allez, on l'affronte. Allez, sors de ton coin là. Allez, sors de ton coin, on t'affronte, madame. Dès qu'elle me regarde, je l'affronte. Allez, on l'affronte. J'attends les Pokémon de type plante. As-tu des Pokémon de type plante? Oh non, vous êtes sérieux, elle m'affronte même pas la dame. Oh, je suis déçu là. Ah, j'ai mal au mon petit cœur là, mon cœur il bat plus. Là. Oh, il y a beaucoup de dresseurs. Oui, du combat. Du combat. Mon Memoria, toi repose les âmes des Pokémon. Ton Pokémon veut-il se reposer? Non, il va bien, mon Pokémon. Il s'est soigné, il est en forme. Oh, regardez. Misty Maniac, Selena. Skelenox, ah ben. Est-ce que Rafale Steel ça sert contre les types spectres? On va le savoir de suite. Hein. Ouais, vite fait. Ah, genre la trouille. Oh non! Ah, ça. Ça, il est pas mort. Pouvoir anti-contente, les gars. Allez. Est-ce que ça lui fait beaucoup de dégâts? Non, mais ça lui fait rien, pouvoir antique. C'est de la merde. Eh, je fais plus pouvoir antique, moi, je pensais. Mais en vrai, ça lui fait rien, pouvoir antique. Moi qui pensais que ça faisait pas mal de dégâts, ça lui fait rien du tout. Oh, je vais l'utiliser, ça sert à rien ce truc. Je l'utilise juste parce que voilà, ça. On va pas gaspiller, mais bon. Ouh là là, ça m'en confus, ça, non? Ça m'en confus. Onde folie, ça m'en confus, je me rappelle. Donc là, il est confus. S'il te plaît, souffre pas. Ah, s'il te plaît, n'attaque pas. Tue-moi pas mon Balbuto, s'il te plaît. Il fait chier, hein. Il y a de la chance que j'ai gardé les super potions en réserve, hein, je te le dis. Moi, je vous le dis, ça va pas le faire. Il utilise tous les Admire Attaque contre moi. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour me battre, ce Skelenox. Allez, Rapsalti, on finit, et puis terminé. Allez, hop. Allez, tue-le. Non, tu le tues. Non, tu le tues. Oui. Allez. Le 29. C'est moi, je suis fatigué, je baille beaucoup. Parce que je commence à vraiment être crevé. Oh, Polichombre. Ah, oh, Polichombre, ça, c'est Volanté Néfique, ça, non? Ou un Branette, je sais plus. Allez, Balbuto, combo roche sur Polichombre. Ça, ouais, ça passe, c'est moyen. Ça fait pas perdre beaucoup de vie, mais ça passe. Ça pourrait être pire. Tombe roche, Balbuto baisse le de 4. Ah, il m'enlève les pépés! Ah, il est cool ce truc-là. Il m'a faut cette attaque en CT. Pas mal, pas mal. Allez. Ah non, ténèbres. Ah non, pas ténèbres. Ça va me faire un round shot, ça, non? Ah, ça va, ça. Il a résisté. Allez, tue-le. Tue Polichon, s'il te plaît. Yes. Allez, Balbuto, il monte encore un peu d'XP. Ah, il est bon, Balbuto, hein, il gère. Hein. Débordant de vitalité. Allez, il se remporte 744 Poké Dollars. Ok, il évolue pas encore.
Très bien. Il évolue pas encore. Ok, on va couper l'herbe, évidemment. On va aller voir au nord de la map qu'est-ce qu'il y a de beau. Ah, j'hésite. Ouais, bah si, on va prendre... on va visiter, les gars, on va visiter. À mon avis, il y a des dresseurs un peu partout dans le coin, donc on va essayer de les affronter au maximum du possible. Regardez, il y a la dresseuse qui est là, en haut, il y aura une autre dresseuse. Un Willis dans l'herbe, le 27, bah pas du tout, il va se faire qu'une bouchée avec son attaque tombeau roche. Pouvoir antique, pardon. S'il n'y a plus de tombeau roche. Oh, il a utilisé brume. Non, t'as pas le droit de faire ça. Je te l'interdis, Willis. Allez, tue-moi, Willis. Ah, même pas. Allez, c'est ton dernier pouvoir antique, hein. T'as intérêt à bien gérer, mon pote. S'il te plaît. Pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune. Non. Pas grave. J'ai l'attaque Ravalpsy. Ça va lui faire des dégâts. Vous inquiétez pas. Non. Ah, vous avez le son du jeu d'ailleurs, les amis. Est-ce que vous avez le son du jeu? Non, vous n'avez pas le son du jeu. Bon, on va le mettre. Hop. Et voilà, vous avez le son du jeu maintenant. Yo. Comment vont? Salut, Captain Shadow. Comment tu vas? Beaucoup de love à toi. J'espère que tu vas bien, Captain Shadow. Comment se passe ta soirée? Est-ce que toi aussi tu as passé ta journée dehors comme moi et que tu as fait genre 14h-21h dehors? J'ai passé ma journée dehors aujourd'hui. J'espère que tu vas bien du coup, Captain Shadow. Je devais pas live ce soir, mais j'ai préféré live, comme ça je suis tranquille et je vous ai promis un live aussi ce soir. Et si vous connaissez pas Captain Shadow, allez le voir. Captain Shadow, c'est qui? C'est un super streamer, magnifique, super gentil. Et c'est la vérité, hein. Je dis pas ça par... Vous savez, tu vois, je reviens de ma première journée de taf depuis mon accident de travail. Ah, t'as repris le boulot, ça y est, Captain Shadow? Non, ah, mais du love à toi, beaucoup de courage et j'espère que ça va bien se passer, vraiment, mon cher Captain Shadow. Le cœur, il est pour toi. Et pour ton boulot. Et la force que je te donne, c'est pour que tu passes au boulot des bons moments. Et bonsoir Marine, comment ça va? Beaucoup de love à toi, Marine. J'espère que tu vas bien, comment s'est passée ta journée? Ça fait plaisir de te voir, ma chère Marine. Ça fait plaisir de te voir faire des coucous par ici. Tu es la bienvenue. J'espère que tu as passé toi aussi une bonne journée, que tu as fait comme moi et comme d'autres, une bonne journée de soleil aujourd'hui dehors. Et demain je repars, hein. Demain rebelote, on coupe les cheveux demain et hop on sort toute l'après-midi normalement. 37 toute la journée, nous il a fait 30 à peu près, ouais. Il a dû faire 30 et quelques, 31 je pense. Il a fait chaud hein, dehors, hein. Il s'est bouffé de chaleur là. Ça va tranquille ici. Et ici comment ça va? Bah écoute, ici ça a l'air de bien se passer, tout le monde va bien, écoute, tout le monde se porte super bien. Écoute, je suis crevé, on a bouilli toute la journée. Ah toi aussi t'as été au soleil mon cher Captain Shadow, bah t'as raison. Moi je fais beaucoup de sport en ce moment, là je suis chaud pour faire du sport. Tant mieux, c'est bon signe. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir une meilleure santé. Moi je fume pas. Enfin, j'ai les poumons, ils sont en bon état donc je peux faire du sport quand je veux en vrai. Et là j'ai fait un peu de foot. Non, toi j'ai pas fait de foot, j'ai fait un peu de foot avec mon frère, mon neveu là et son pote. On a fait un peu de foot là. Je travaille en maison de retraite. Ah bah beaucoup de love à toi mon cher Captain Shadow. Énormément de love à toi et ça fait plaisir, ça fait pas plaisir, mais pour moi ça fait plaisir de donner du love. Voilà. Tu sais un autre Pokémon? Bah oui, hein, je vais prendre garde à voir du coup. Putain, bon, on va arrêter les combats parce que là, on est en train de perdre nos Pokémon de la Ligue, là. Là, j'ai amélioré mes Pokémon de la Ligue parce que ça fait un moment qu'on devrait les améliorer, déjà. Hein. Et puis là, les deux que j'améliore, de toute façon, c'est pour la Ligue. Et yo, Alex, salut à tous et salut, Kairo FR, comment ça va? Un plaisir de te voir, beaucoup de love à toi. J'espère que tu vas bien, Kairo FR, et que t'as passé une très belle journée, toi aussi, que t'as eu un beau temps, que t'as passé une bonne journée ensoleillée. Je sais pas si tu restais chez toi ou que tu as travaillé, mais que ça s'est bien passé, en tout cas. Et écoute... Et j'espère que tu vas pouvoir bien passer une bonne soirée, te reposer chez toi, regarder le live, ou faire des coucous à tout le monde. J'espère que tu vas bien en tout cas, Kairo. Beaucoup de love à toi. Il est un peu trop beau le temps, je trouve. Ah, c'est vrai qu'il fait chaud. Hein. Je faisais l'état, regardez, tellement qu'il fait chaud, je vois une petite goutte d'eau, vous voyez. Ah. En tout cas, j'avais plaisir de vous voir, les amis, sachez-le. Et que vous êtes les bienvenus tous. Et puis après une belle journée de boulot, je comprends que c'est pas facile des fois de se poser tranquillement et sûrement. Moi tranquillement, je pose. Là, je suis fatigué aussi, mais je vais faire un live. Comme ça, demain, j'ai ma journée. Je fais pas de live demain. Et je vais pouvoir me reposer demain. Demain soir, je rentrerai, je dormirai comme ça. Ok, on va mettre garde-voir dedans. Devant garde-voir, il dit garde-voir, il est mort. Par contre, on arrête. Hein. On arrête les combats et on va aller affronter la team à quoi. Tu veux connaître ta force? Je vais te faire passer le test. Allez, c'est parti. C'est parti, on passe le test. Moi, ça me fait plaisir. J'espère qu'on va pouvoir faire un bon petit test du coup. Alors un combat est lancé par Top Dresseuse
Pas trop dresseuse, hein, pas top dresseur, désolé. Mandy. Mistibule. Oh, Mistibule. Première fois qu'on le voit, je crois d'ailleurs, Mistibule en jeu, non? Mistibule qui est de type normal et spectre, non? J'ai un doute. Ah, j'ai un doute. Pas du tout. C'est pas un type normal. Ça va pas du tout un type normal, je vous le dis de suite, c'est sûr. Un type normal, il prend pas un... Il prend un... Non, donc lui, c'est vraiment un Pokémon chiant. Après, j'ai pouvoir anti... Ah non, je n'ai plus pouvoir anti, c'est les... Balbuto. Merde. Bon, il est mort. Hero Jenny, Hero Jenny, beaucoup de love à toi. Comment tu vas, ma chère Jenny? Comment s'est passé ton live? Rosalie va être envoyée par ta dresseuse, Wendy. Dites en l'heure que je suis toi en train d'appeler quelqu'un, je redécroche, il est déjà plus en live. T'as dû arrêter entre temps, à mon avis. J'espère que tu vas bien, ma chère Jenny, beaucoup de love à toi. Et pareil, si vous connaissez pas Jenny, les amis, super streameuse. Elle est super gentille, elle lui donne du love à Jenny. Elle fait actuellement du Halo. Et oui, du Halo. N'hésitez pas à aller la voir et lui donner un maximum de soutien, ça, elle le mérite amplement. Je vous le dis vraiment, elle le mérite amplement. De toute façon, toutes les personnes le méritent amplement. Toutes les bonnes personnes le méritent amplement. Allô. Non mais allô. Oh, 1000. Oh. Oh, magnifique ça. Avec qui pan. Avec qui pan, je vais le... Amateur. Amateur, avec qui pan. Allez, attaque psycho, c'est bon. Ah, il a mis abri. Il se protège. C'est comme détection, en vrai. Il prévoit l'attaque. Et il se protège de l'attaque. Tu vois, j'ai changé ça, les gars. Hop. Chut. On va se battre en un ou deux coups, là, le pays qui pense. Tu vois, il va rien comprendre. En plus, il va monter mon garde-voir level 34. Ah, il y a des guérisons. Très bien. Très bien, très bien. Yop, Jenny. Bon, j'espère que ton live s'est bien passé, Jenny. J'ai pas vu la fin de ton live. Du coup, j'étais en semi-lurk. Et quand je suis sorti de mon semi-lurk, bah, t'étais plus en live. Donc, je sais pas si t'as pu finir. T'es proche de la fin du jeu ou pas. On sait, je sais pas du tout. Je pense que t'es quoi? T'es à la moitié, non? C'est ça. Non, tu fais quoi dans Captain Shadow d'ailleurs en ce moment? Ok, Rocket League, j'avais vu, mais je sais pas si tu fais autre chose. Salut Captain. Garde-voir 1080, allez, ça fait plaisir. Tu as réussi haut la main. Alex remporte 1480 Poké-Dollars. Tu viens de finir Ghost of Tsushima? C'est le mec tout étonné, c'est... Ah, mais ça fait plaisir ça. Mais ça fait le plaisir que t'as fini Ghost of Tsushima Captain Shadow. Alors t'en as pensé quoi? Bon, sans spoil évidemment, mais t'en as pensé quoi du jeu, terme graphique, histoire, scénario? Est-ce que ça t'a plu? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'ils devraient revoir ou quoi que ce soit? N'hésite pas à nous le dire, hein, du coup Captain Shadow, le plaisir il est là. Vous êtes prêts les gars? Purée, il m'a bloqué la route en plus, enfoiré. Quel enfoiré, il m'a bloqué la route. Espèce de méchant là. Espèce de méchant. Tu m'as bloqué la route alors que j'étais en train d'avancer. Et bonsoir à toi, Scarlett. Beaucoup de love à toi et bienvenue chez le Don Alex. Je crois que tu viens de chez Captain Shadow, si je me trompe pas, c'est bien ça? Merci pour ton follow, du coup, et bienvenue chez le Don Alex et bienvenue parmi la commu, qui sont tous super gentils et super sympas. Donc, enchanté. Et puis, ah, j'ai plus de pépé. Ah, bah écoutez, bah, choc mental. On va sur du choc mental, écoutez, je n'ai plus de psycho. Sans spoil, pour moi, si tu es fan du Japon féodal, j'adore le Japon féodal, le scénario est très terre, à terre, tradition, question d'honneur, samouraï, etc. Ah, j'adore, j'adore déjà le scénario. Donc, top niveau dans la réalité, pas trop fantaisiste, évidemment. Donc, le OP pour ELS, pour les fans, ouais, de jeu, graphisme, juste ouf. Bah écoute, tu vois, Captain Shadow, j'ai envie de le faire. tu me mets un truc comme ça, pour moi, tu m'as bien résumé l'envie de le faire. Si t'aimes bien le Japon féodal, et bah t'as envie de le faire, le jeu. Et du coup, bah merci, pour ce beau dialogue, tu m'as donné envie d'encore plus y jouer. Oui, je suis Madame Shadow, ah oui, Scarlett, c'est ma femme, bah, enchanté du coup, et bienvenue chez le Don Alex. Et puis, au plaisir de t'accueillir dans la commu. Et d'ailleurs, si vous voulez voir ce que je fais ici, point d'exclamation ma chaîne avec le i accent circonflexe, et vous voyez un petit résumé de ce que je fais. Et salut Elcor, salut mon cher Elcor, beaucoup de love à toi, ça fait plaisir de te voir mon cher Elcor, comment tu vas? Beaucoup de love à toi aussi mon cher Elcor, j'espère que t'as passé une très belle journée, et que toi aussi t'as passé un bon moment au soleil, entre 14h et 20h, on va dire. Tu as trié sur PS4 deux jeux à faire, la série Last of Us, Ghost of Tsushima et God of War, je l'ai déjà fait.
Le God of War, je l'ai déjà fait, donc j'en ai plus que deux du coup, Captain Shadow. J'ai fait le dernier God of War, je l'ai, regarde. Attends, je te montrerai pour te dire. Regarde. Là, je l'ai là. Hop, je l'ai fait. Je l'ai là. En boîtier. Hop. Donc déjà ça à faire aussi. Ok, ça marche. Donc c'est déjà. Désolé, je mange en même temps, mais pas de soucis, ma chère Jenny, vraiment. Pas de soucis. Régale-toi, mange bien. En plus, vu l'heure, tu dois avoir faim. Moi j'ai mangé au McDo, tranquille. J'étais avec mon neveu, on a dit, vas-y, je viens au McDo, je t'invite à manger. Je lui dis, il a fait, ah, ça me gêne un peu. Je fais, arrête, va manger au McDo. Ça fait, depuis le confinement, on n'a pas été faire un petit McDo. Je suis pas fan du McDo, mais je sais qu'il était content. Il a fait, allez, vas-y, on y va, on a mangé. Et puis, bah, je suis rentré après. Mais je vous raconte un peu ma vie, excusez-moi. Je hais les gens qui jouent à ce jeu. Il est pas sur PC. Ah, bah ouais. On doit le sortir sur PC bientôt. Hein. Des fois, ils font ça. Hein. Lol, trop chaud, j'ai fait la tortue toi aussi, t'as eu chaud le corps. Ah, il a fait chaud aujourd'hui les gars. Vraiment. Moi j'aime bien. Moi je suis quelqu'un qui aime le soleil et la pluie et le froid. J'aime les deux. Je suis quelqu'un qui je suis un Morpheo. Je suis comme dans Pokémon, je suis Morpheo et j'aime le soleil et j'aime le mauvais temps. Je supporte les deux. L'un ou l'autre nous dit je vais faire pas en vrai. Il fait beau, on est dehors, on s'amuse tous en famille et tout. Il fait froid, tu restes chez toi, tu fais une petite raclette, tartiflette, ce que tu veux et tu te régales. C'est vrai. Et c'est souvent des bons événements à Noël. Il y a Noël, il y a tout ça, c'est en famille, c'est cool. Les deux, j'aime bien. Moi, j'aime bien les deux événements. Et les Dell 1000. Ah, nickel, on gagne beaucoup d'XP avec ces dresseurs là. Ils sont vraiment cool. Hein. Non, on va garder les Dell. Il faut que je la monte un petit peu, les Dell. Allez, Wilmer est envoyé par Top Dresseur Clovis. Ah, intéressant. Je hais les gens, si je l'avais lu. Tu as attaqué dans pas longtemps le God of War. Ah, bah écoute, j'irai voir, j'irai voir avec plaisir, mon cher Captain Shadow. C'est Captain Shadow qui a dit ça, je crois. Ouais, c'est Captain Shadow. J'avais pas vu le message, il était trop. Sur Call of en même temps, il n'y a pas de souci, Scarlett. Passez un moment si vous jouez en même temps. D'ailleurs, vous regardez un truc en même temps. Profitez. Profitez un maximum. Moi, je fais ça quand je suis sur un live. Je joue, je geek en même temps. Je vais sur mon téléphone, je joue à Dokkan, Battle ou à Dragon Ball Legends. Ou alors, j'envoie. J'écris mon prochain planning. Je fais des trucs en off. Je profite en même temps d'aller faire des coucou à des amis streamers et des amis streameuses en même temps pour aller faire des coucou de Twitch. Comme ça, moi, je varie les choses à ma façon. Peut-être plus tard, Steam, etc. Ouais, je pense aussi. Se battre. Ouais. Pour acheter pas mal d'exclus, ouais, voilà, ouais. Comme Horizon, etc. Ouais, c'est vrai. Je suis Lucifer, donc je suis tout le. Ouais. Ouais, t'es comme Lucifer, c'est ça. Ah ouais, je comprends. Moi j'aime bien les deux. Moi j'aime bien le chaud et froid, ça me dérange pas. Ça va Alex, ça super Elcor, écoute mon cher Elcor. Ça fait plaisir de te voir vraiment. Elcor qui. J'ai fait le SO Elcor les amis. Ah, je sais même plus, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que je t'ai fait un SO mon cher Elcor? Mais non, j'ai pas fait le SO Elcor. Si vous connaissez pas Elcor les amis, attendez, non, moi. Si le peu que je peux faire pour soutenir les amis, c'est faire un SO, allez voir Elcor. Qui est Elcor? C'est un joueur rétro. Qu'est-ce qu'il fait? Du rétro. Mais quoi d'autre? Il fait passer des bons moments, il vous fait découvrir des jeux que vous avez fait quand vous étiez jeune. Il vous fait découvrir des jeux que vous connaissiez pas, que vous n'avez pas pu connaître à l'époque. Qui ne connaît pas Elcor? Exactement. Il faut connaître. En tout cas, il faut connaître Elcor. Il est super gentil. Je passe souvent l'heure chez lui parce que j'ai pas. Quand je passe, je fais autre chose en même temps ou quoi. Et il faudrait que je passe vous faire un petit coucou quand même, histoire que tu vois que je suis là. Et coucou Elcor. Mais quand il est en live, des fois je vais faire un petit coucou en lurk, n'hésitez pas à le voir vraiment. Il est super sympa, il est super cool. Joueur rétro, qu'est-ce qu'il fait? Du rétro, merci Alex. Joueur rétro, qu'est-ce qu'il fait? Du rétro. J'ai vraiment dit ça. Ah, mais c'est parce que c'est la fatigue, mon cher Captain Shadow. Je suis tellement fatigué, je sais même plus ce que je dis. Ah mince. Ah, je me mélange dans mes propres mots. Incroyable, j'ai dit ça. Alors un joueur rétro qui fait bah, du rétro. Ce qu'on disait, c'est un joueur Zelda qui fait du Zelda. Ouais voilà, mais il fait beaucoup de différents jeux rétro comme... voilà, il avait fait la 3DS il y a pas longtemps quand j'avais été le voir, il avait fait d'autres jeux aussi. Bah, n'hésitez pas à aller faire un coucou à Elcor, vraiment super sympa. Mais pas que apparemment. Donc c'est pour ça que c'est le suspense, vous voyez. C'est pour ça que j'aime bien Elcor, c'est le suspense. C'est un joueur qui fait, il fait du Call of. Ah, je me rappelle, c'était Captain Shadow
Il m'avait fait plaisir, il m'avait fait 3 minutes de le don du sel. Je sais pas si tu te rappelles, Captain Shadow, il y a quelques jours. C'était magnifique. C'était magnifique, j'ai regardé le Bloodborne, j'ai regardé la rediff, ce passage-là, pour voir comment j'avais réagi. C'était magnifique. Ma réaction, me fait tout rire. Et je suis pas comme ça d'habitude, je suis pas... Je rigole pas en ma propre personne ou quoi pour me faire rigoler moi-même, mais bon, ça fait plaisir. Tout sauf du PC, lol. Ah ouais, voilà. De la PS3, de la Switch, etc. Bah écoutez, allez voir Elcor, allez voir Jenny, allez voir Captain Shadow, allez voir tous les gens qui sont ici, qui font des lives, ils sont tous super sympas. Je vous le dis la vérité, hein. Ils sont tous super sympas, mais elle a des bons Pokémon, la petite dresseuse, là. C'est quoi ces Pokémon, le Tangali, ce Magneton? Oh, on est tombé sur une dresseuse de ouf, là. Putain, une Pokémon d'XP de ouf avec elle. Ah, mais pas mal la dresseuse qui nous met sur la route. Craque-moi! Putain, c'est les Pokémon qui donnent de l'XP, ça. Parce que c'était l'ambiance, tu avais du monde, on interagissait, donc ça aide. Ah, moi, ça me fait plaisir quand vous interagissez. Et moi, ça me donne encore... Alors, moi, je parle vite, hein. Je parle très, très vite, vous l'avez remarqué, là, actuellement. Mais alors, quand il y a du monde, je parle encore plus vite. Et j'essaye de pas mâcher mes mots. Et c'est très dur pour moi. Hein. C'est un entraînement que je fais tous les jours. Parce que j'aime bien parler, j'aime bien commenter. Mais je parle très, très vite, donc des fois, on me comprend. Et des fois, on comprend pas. Et c'est le seul petit défaut, vraiment, que j'ai en ma personne propre. C'est que je parle très, très vite. Squeezie, sors de ce corps. Exactement. Surtout mon homme. Et quand il bosse, et moi, ça m'arrive, je stream sur son compte. Donc voilà. C'est un live mixte. Enfin, c'est souvent Captain Shadow. Et des fois, c'est sa compagne, du coup, qui fait des lives. MDR change rien. Mais merci, mon cher Elcor. Du love, beaucoup d'amour à toi, tu sais, et à vous tous d'ailleurs, parce que vous êtes tous sans vous, ben je parlerai, hein, je ferai mes lives, mais il y aurait moins d'interactions et je parlerai, à moi tout seul entre guillemets, comme si c'était une vidéo YouTube quoi. Donc c'est pour ça, merci à vous d'être là, vous êtes super beau en plus, vous êtes super gentil, et moi je vous promets de vous rendre toute cette gentillesse. Bon allez, on va aller soigner le Pokémon les amis, et on va aller direction la Team Aqua là, c'est bon, on a assez, ça s'entraîner. J'ai le même souci en plus, il y a un léger cheveu sur la langue, donc en parlant vite, ça cache le zozotement. Ouais, voilà, bah après, tu sais, moi, je l'avais un petit peu quand j'étais jeune, là, ça se voit un peu moins, ça se sent très peu, tu vois. Mais en vrai, ça va, j'arrive à le gérer à ma façon, et puis j'ai mes amis de Twitch ou IRL qui me disent tout le temps, mon frère ou des proches, ils me disent, prends ton temps, tu sais, parle doucement, le but, c'est pas faire la course de celui qui parle le plus vite pour montrer que t'as des choses à dire. Que ça prend plus longtemps, au moins on sait ce que tu vas, on va comprendre ce que tu vas dire. Voilà, donc c'est pour ça que je prends mon temps quand je parle et je me dis, on se prend pas la tête, on a le temps, de toute façon, on n'a qu'une vie, hein. Mais autant en profiter un maximum entre nous. Ça fait longtemps que tu stream, Alex. Alors, ça fait depuis officiellement, j'ai commencé début 2017 et je suis sur Twitch depuis 2013, mais j'ai commencé à stream en 2017 et j'ai arrêté une grosse année et demie. J'ai repris en milieu 2019, vers juillet, août, je crois, ou juin, je sais plus. C'était les gens de mon incommu actuel qui m'avaient motivé à stream. Ils me disaient, pourquoi tu streams pas, machin. Et puis j'ai dit, allez, je vais refaire des lives. Et là, ça fait plus d'un an, j'ai repris mes lives et tout, ça fait plaisir. Il y a toujours autant de personnes qui sont là pour donner du love, du soutien. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir, c'est partager des lives avec vous, les amis, et que vous soyez aussi nombreux à donner du love. Je peux parler extrêmement vite, mais sans articuler. Bah moi c'est pareil. C'est pareil, écoute, c'est pareil mon cher Captain Shadow. C'est pareil, je peux parler extrêmement vite, mais des fois j'articule pas du tout. D'accord, bien. Eh mon ami Alex, oh coucou mon cher Emile, moi désolé, j'ai failli pas te voir. Beaucoup de love mon cher Emile, moi ça fait plaisir de te voir. Comment se passent tes vacances? Enfin, tes vacances. C'est pas des vacances, hein, mais je sais que t'es pas chez toi pour l'instant, je sais pas quand tu reviens mon cher Emile, moi. Mais dès que tu reviens, beaucoup de love à toi, j'espère. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je te donne du love, mon cher Emile Moi. Tiens, ça c'est pour toi, mon cher Emile Moi, et partage avec la commu si tu veux. Et si vous connaissez pas Emile Moi, les amis, je vous parlais de joueurs rétro. En voici un autre. Emile Moi, joueur rétro. Super, 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 super amoureux. Enfin, c'est super boule d'amour. Voilà, je l'adore. Il est trop gentil. Il est trop accueillant. Vous allez voir, il fait que ça. On dirait que c'est une boule d'amour et qu'elle vous parle. Vous voyez une boule d'amour qui vous parle, ben c'est Emile Moi. Voilà. Je l'ai déjà été, Emile Moi il est super sympa. Franchement. Et en plus il y a Yoshi. Il a Yoshi en emote.
Et ça, c'est très 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 beau. Enfin, vous avez tous des belles emotes, les amis. Je vous le dis, hein, vous avez tous des belles emotes. Mais Yoshi, j'adore parce que c'est un personnage qui m'a marqué un petit peu aussi, quand, comme tout le monde, hein, quand j'étais jeune. J'aimais bien le personnage. Et Yoshi en peluche aussi, voilà. Mais franchement, vous êtes tous super, vous avez tous des super belles emotes. Tout... Enfin, vous êtes tous super sympas, vraiment. J'ai rien à dire. On va dire, Alex, mais tu es en train de raconter des choses, mais c'est, tu penses peut-être pas, tu dis ça pour me faire plaisir. Non, je dis ça avec le cœur. Quand je vais bien passer une belle journée, je fais un live, je dis tout avec le cœur, en fait. Voilà, prenez le cœur de Captain Shadow et ses emotes de cœur. Prenez-le et partagez-le entre vous. Après, vous m'en laissez quelques-uns quand même, hein, évidemment, parce que voilà, quoi. Sinon, je vais être triste. Mais ça fait le plaisir, les amis, ça fait le plaisir, ça fait pas le plaisir. Merci à vous. Merci à toutes ces personnes qui sont là, qui me soutiennent tous les jours. Toutes les nouvelles personnes, les anciennes personnes que je connais depuis des mois et des mois et des mois. Là, je suis où, là? Ah, c'est le monde Memoria, ça? Ah, il est flippant. Ça va, les gars? On est bien chez Alex. Oh, merci. Ah, merci, mon cher ami, moi, pour ce love. T'es pas obligé, mais merci, ça me touche. Je prends... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cœurs. Et je les mets ici. Tac, 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 tac. Et si vous en voulez un chacun, je vous les distribue, les amis. Normalement, il en me restera pour moi, je pense. Si, sur toutes les personnes qui sont là actuellement, il m'en restera pour moi, normalement. Le Yoshi Rose arrive. Ah, Yoshi Rose, il va être beau. Ça fait le plaisir. On t'aime, mais moi aussi, je vous aime, les amis. Je vous aime aussi. Ah, merci pour le love, Elcor. Prends les 5 cœurs et partage-les aussi. Merci beaucoup, les amis, pour vos bises d'amour. Et gardez-les, vous êtes trop beaux avec. Vous êtes trop beaux. Je veux que vous les gardiez, ça vous rend encore plus gentil et encore plus mignon. Vous l'êtes déjà trop. Merci à vous, vraiment, merci à vous, les gars. Vous êtes super sympa et ça, je n'oublierai pas. Hein. Je ne monte peut-être pas des fois en la tête, que ça ne se voit pas, je sais pas. Hein, je sais pas, mais au fond, moi, ça fait vraiment plaisir. Ça, le même, juste quand vous dites un coucou et vous dites ça va, Alex, ça fait plaisir de te voir ou quoi, je suis extrêmement content rien que de ça. Rien que ça, je suis content. Bon allez, vous êtes prêts, on va faire des combos là. Et tu es là pour présenter tes respects aux esprits des défunts Pokémon. Ok, ça sent la merde ici, hein. Je vous le dis direct les gars. C'est ici que repose mon Zigzaton, c'est un endroit que j'ai chéri. Ouais. Y'a quoi là? Je pense qu'il reste lol. Ah bah c'est nice alors. J'ai un repousse, hein, je crois, ouais. Ok. Y'a une Pokéball ici, qu'est-ce que c'est tiens? Oh, 7 et 48, magnifique. Et merci pour ton follow. Ton pseudo va s'afficher, je l'ai vu, mais parce que en vrai, avec les couleurs du jeu, j'ai pas pu vraiment le voir. Merci, Gabin Duck, Gabin Duck, Gabin Dunk, je sais pas comment on prononce, je sais pas si on doit le dire en anglais ou en français. Je pense que c'est Gabin Dunk, je pense. Beaucoup de love à toi, bienvenue sur le Don Alex. Enchanté de te voir ici, et puis j'espère que tu passeras une bonne soirée parmi nous. En tout cas... Et puis, comme tu le vois ici, on fait plein de jeux différents. Là, on fait Pokémon, évidemment. Mais si tu fais point d'exclamation ma chaîne, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de modo actuellement. Je crois que les modos, ils sont tous aussi occupés en ce moment, en plus. Donc, vous mettez point d'exclamation ma chaîne. Vous avez le résumé de ce que je fais à peu près ici, en moyenne. Donc, n'hésitez pas, les amis, si jamais vous avez un doute de quoi regarder, moi, je vous mets une petite liste. Et salut à toi, du coup, Gabin Duck. Et enchanté, bienvenue chez le Don Alex, en tout cas. Et puis, passe un bon moment parmi nous avec cette commu qui est super sympa. Et qui saura t'accueillir avec gentillesse, ils sont vraiment super gentils. C'est des vacances aussi, ouais exactement. Et puis je sais qu'ils sont tous pas dispo pour le moment, je le sais. Voilà, je sais qu'ils sont tous occupés. Ah, mon sac est plein. Eh ben c'est pas un problème. Quand le sac est plein, avec le Don Alex, le sac il va pas être assez plein, je vous le dis. Je vais utiliser des objets et puis on va faire de la place, hein, écoutez. Écoutez, on va faire de la place, attendez, je vais mettre... anti-brûle, non, s'en fout. Antidote, non. Qu'est-ce qu'on peut se mettre là? Allez, PP+. Pouvoir antique. Allez hop. On s'en peut récupérer les objets. Et enchanté à toi en tout cas, Gabin Duck. Ou Gabin Duck. Je sais pas comment on prononce, excuse-moi. Hein, tu n'hésites pas à me reprendre. Il y a tellement de types de prononciations différentes que je peux me tromper par plusieurs moyens. Mais j'espère que ça te dérange pas en tout cas que je me suis trompé. Oui, c'est les vacances pour tout le monde, exactement. Et re, ma chère Jenny. J'espère que tu vas toujours bien, Ginny. En bas, y'a quoi? Y'a rien? Si, y'a un truc ici. Huile max, ah!
C'est ton fils, Rémi, moi. C'est ton fils. Ah bah enchanté du coup, Gabin. Enchanté à toi du coup, et puis ben enchanté de rencontrer du coup le fils de Émile Moi, c'est... Ok d'accord, ah d'accord, ben enchanté du coup, enchanté à toi du coup, et bienvenue chez le Don Alex. Ah ben enchanté, hein. Si c'est la famille à Émile Moi, ben c'est la famille aussi du coup. La famille à Émile Moi, c'est ma famille maintenant. Si je vole ta famille, mon cher Émile Moi, tu peux m'insulter, hein, désolé. Monte la vitesse d'un Pokémon, allez, vas-y, la grogne, vas-y, hop. Allez, on prend l'huile max. Ah, mais ils font chier là, mon sac, je peux pas le vider là. Alors attendez, il faut le donner. Ok, je vais le donner du coup à Balbuto. Je te laisse, bonne soirée à toi et à la prochaine. Et bah, merci à toi d'être passé, Scarlett du coup. Et puis bah, bonne soirée à toi et puis on se reverra chez l'ami Captain Shadow. Et beaucoup de love à toi en tout cas. Merci d'être passé pour le follow et faire un coucou. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir, moi ça me fait plaisir. Et puis bah, passez une bonne soirée à ceux qui partent et bonne soirée à toi du coup Scarlett. Et merci d'être passé, ça fait plaisir, vraiment. Hop, j'ai sauvegardé les amis, comme ça au moins on sait ce qu'on a sur nous actuellement. Au plaisir, bah, le plaisir est partagé du coup. Enchanté en tout cas de te voir chez moi. Oui c'est votre fils aussi, bah c'est le fils à tout le monde, c'est le fils à Jenny, c'est le fils à... C'est le fils à Captain Shadow, c'est le fils à Scarlett, c'est le fils à Elcor, c'est mon fils, c'est le fils à tout le monde, voilà. On a tous un fils qui s'appelle... il profite demain et après-demain, son papa live ne sera pas vers lui. Ah, tu live demain et après-demain, moi. Ah, je le savais pas, tu vois. Je suis pas là la journée demain, mais je vais peut-être passer faire un coucou pendant 5 minutes de pause ou quoi. Si je fais du sport ou quoi, que c'est pas moi de jouer ou quoi pendant une partie de tennis de table ou de foot, ben j'irai faire un coucou mon cher Emile moi. Tu sais qu'en ce moment je suis pas trop sur Twitch en plus. Oh, il y a la team, oh il y a la team là. Allez, à mon avis Emile moi il va te le dire, hein. J'aime bien dire des conneries des par moments, Gabin. J'aime bien dire des conneries des fois pour rigoler ici. Et des fois on dit des connes souvent avec ton père, notamment chez Jenny quand on parle de Halo. Hein. On dit des conneries. Allez, on va mettre Balbuto devant. Il faut que j'ai un Kaorin. Allez, c'est parti. Je vais te montrer à quel point la team Aqua peut être effrayante. Allez, c'est parti. On affronte la team Aqua, les gars. Ok, donc ça c'est Sbire Aqua, je pense. Ok. Oui, Halloween. Ah, Halloween, pas mal celle-là. On l'avait fait celle-là, Jenny Halloween ou pas encore? Ah, on va plus arrêter avec ça, tu sais. On est parti pour un an, là. Toujours les mêmes blagues. À l'hôpital, voilà. Voilà, c'était des blagues comme ça. Ouais. Et dites-vous qu'on a dit ça pendant une heure sans s'arrêter. Hein. On est vraiment foufou, hein, des fois. Mais ça fait plaisir, en tout cas. Moi, ça fait plaisir. Ça fait le plaisir, ça fait peut-être pas le plaisir. Moi, ça fait plaisir. Ok. Allez, Balbuto en Kaorinem. Balbuto, il fait tout, hein. Il est chaud, Balbuto. Hein. Putain, vraiment, on a un Pokémon, là. Il est tête d'équipe, hein. En plus, là, c'est que des Sonserati. Ils vont vite souffrir avec Balbuto, je vous le dis. En plus, il a une bonne vitesse, je crois, si je me trompe pas, Balbuto. Je crois qu'il a une bonne vitesse. Ah, oui, lol. Pas grave. Lol. Bah oui. Bon, on a bien rigolé, de toute façon. Et puis, moi, en plus, en ce moment que je suis dehors et que je varie avec Twitch ou quoi, je suis de bonne humeur à fond, mais. Jamais été aussi bonne humeur. Oh, regardez qui est là, le plus beau, le plus magnifique, le plus beau des Jamesax 67 qui existe. C'est Jamesax 67. Ouais, coucou mon cher Jamesax. Coucou, beaucoup de love à toi. J'espère que tu vas bien, mon cher Jamesax. Comment se passe ta soirée, Jamesax? Jamesax, il est juste. Vous voyez l'amour. S'il devrait vraiment un sommet, Jamesax est à la frontière. Comment tu vas mon cher Jamesax, ça fait plaisir de te voir. Bah regardez, il y a un ami modo qui est là qui vient faire un coucou. Passe une petite tête. Et si vous connaissez pas Jamesax, les amis, qui est Jamesax? C'est un joueur de Ghost of Tsushima, mais il donne énormément d'amour. Vous voyez, si je devrais avoir un frère jumeau de sur Twitch, ce serait Jamesax. Voilà, je vous dis la vérité. Si je devrais avoir un frère jumeau sur Twitch, ce serait Jamesax. Il donne autant d'amour que moi. On est pareil, et c'est magnifique, c'est pour ça que je l'adore, ce Jamesax. Comment tu vas, mon cher Jamesax? Ça fait vraiment plaisir de te voir, ça fait vraiment plaisir. Je suis à la frontière de la haine, mais non! Oh non! Alors moi, je devrais être quoi, alors? Ça fait plaisir de te voir, mon cher Jamesax, vraiment.
Bonsoir, Dunsack. J'avoue que je suis chaud là. Préparez-vous. Ah, émule-moi, il est chaud, je suis content. Ça fait plaisir. Bah, Yoshiro, dans l'attente, j'ai pas pu mettre que pour le sub niveau 2, faudra que je vois comment faire. Ah, bah ouais, ça fait plaisir. T'es déjà 22h20, ils vont même pas leur passer, les gars. Je suis trop à fond sur Twitch. Je fais des lives, parler avec vous, ils vont même pas le temps passer. Alors, t'as cru pouvoir résister à la force, là, Team Aqua. Allez, 600 Poké-Dollars, raboule le fric. Merci pour le SO, mais y a pas de souci. Surtout pour toi, ça fait extrêmement plaisir, Demsack. Un grand plaisir, évidemment. Hop, y a pas d'objet caché ici? Non, pas d'objet caché. Ça aurait pu le faire. Hein. Ça peut aller, j'ai mal au dos et vous, comment ça va? Oh, courage, Demsack, c'est pour ton dos. Donnez du courage, s'il vous plaît, les amis, pour Demsack. Enfin, vous n'êtes pas obligé, hein, mais pour lui donner de la force que son dos. Je sais pas si tu as un labago, un blocage de dos, ou si tu as juste des petites douleurs par-ci par-là qui font chier. Mais vraiment beaucoup de courage à toi, j'espère que t'as pas d'arthrose ou quoi, ou de scoliose. Non, pas scoliose. C'est scoliose, non? Je sais plus. Mais courage à toi, Demsack. Courage à toi et... Une crème fraîche. Scoliose, c'est ça? Une scoliose, ah merci. Merci pour m'avoir... Ouais, bien vu, tu fais bien là, tu vois Cairo, c'est magnifique. J'ai jamais un doute de comment on le disait. Ok. Hop, merci, regardez. D'ailleurs, Cairo, tu fais pas des lives toi aussi? Est-ce que tu fais des streams, Cairo? J'ai un doute. Ah, j'ai un... Eh les gars, faut que je me rappelle de qui fait des lives, vous êtes trop nombreux. Pas encore. Ah, bah si tu fais des lives, n'hésite pas à nous faire savoir. Tu sais, moi... c'est pas une histoire de faire de la pub ou quoi, hein. Vraiment, faut pas que vous preniez comme ça chez moi. Vraiment, si vous me dites je fais des lives ou quoi, moi ça fait plaisir. Bah après, voilà, bon après si vous parlez que de vos lives, à un moment donné, oui, je vais vous dire stop ou quoi, mais vous savez, c'est pas moi qui va vous dire, hein, faut pas parler de votre chaîne ou quoi. Vous savez, moi je suis quelqu'un de vraiment très gentil, hein. Faut dire ce qui est. Faut prendre des notes, mais oui, prenez des notes. Scoliose. Scoliose, non, je pense pas, à la limite le bingo. Ouais, tu dois un labago, d'une sac. Donne ton mal de dos, ça a marché pour le mot de tête la dernière fois. Ah, regardez, génie. Si ça, c'est pas une super juveuse streameuse. Elle, voilà, trop gentil, ma chère Jenny. Oui, c'est vrai. Tiens, attrape. Ah, et tu donnes comme ça. Bah, écoutez, c'est du transfert gratuit. C'est du transfert gratuit, ça fait plaisir. Écoutez, refilez-vous vos problèmes de santé et équilibrez tout ça, que personne ne soit inférieur ou supérieur. Si vous voulez, je peux bien prendre un mal de tête ou quoi. Hein. Bande d'influenceurs, mais oui. Mais non, je vais tous s'envoyer sympa, les gars. Et les guys, vraiment. Ça fait plaisir de vous voir, déjà. J'ai une ému SNES Pixel Perfect, je le stream demain. Ah ouais? Ah, intéressant. SNES Pixel Perfect, tu connais pas? C'est quoi le Pixel Perfect? C'est quoi le... Quel est le terme Pixel Perfect Elcore? Parce que moi, du coup, j'ai du mal avec encore les termes un peu professionnels du gaming. Hein. Même si je suis un joueur de jeux vidéo, j'ai pas dépassé la frontière des termes. Quand on dit pixel perfect, c'est quoi? Tu me l'as peut-être déjà dit, hein, si peu, mais je suis désolé si tu m'avais déjà dit Elcore. C'est vrai que j'ai une petite mémoire quand il s'agit des mots professionnels comme ça. T'as dû me le dire, et désolé d'ailleurs. Hop, alors attendez, est-ce que j'ai ce qu'il faut là? Oui, j'ai ce qu'il faut. Allez, Balbuto, mets une branlée à ce mec. Pour qui tu te prends? Qu'est-ce qu'un homme seul peut espérer? Allez, on va mettre un petit coup de boule lui, à comprendre. En gros, tu déformes pas le jeu qui si tu le tires en grand écran. Ah, c'est bien ça. Ah oui, c'est-à-dire que ça regarde la même résolution, quoi. Enfin, pas la même résolution, mais les pixels, ils restent pareils. Pixel perfect, ok, d'accord. Bah merci du coup, ce terme là j'avais un doute, je me disais c'est sûrement une par rapport à la qualité de l'image, un truc comme ça, mais je sais pas c'était quoi exactement. Là tu viens de me rafraîchir la mémoire, ouais, le corps. Ah oui, bah non, ça marche pas, bah ouais. Voilà, Don Alex il est ma boule. Yes, c'est ça. Ah bah nice alors. Me dit, je vous fais. Alors, Gabin me dit de vous dire qu'il était malade il y a peu, vomi, ça va mieux. Ah bah écoute, du courage à lui, hein, beaucoup de courage et puis. Beaucoup de love à ton fils, du coup, mon cher Emile-moi. Et un plaisir. Il peut venir faire un coucou quand il le souhaite, il le donne à Alex. My pleasure is your pleasure. Voilà, tu pourrais lui dire ça. Lol, moi j'ai déjà 58 000 euros de dette entre crédit immobilier et découvert. Ah ouais? Ouais, c'est dans les Sims, ça, non?
Enfin, c'est le mec qui essaie de trouver une excuse. Et... ouais, c'est dans les Sims. Enfin voilà, les Sims, on connaît tous. On a tous des dettes dans les Sims. Ou c'était de Monopoly, non? Non, en vrai, sérieusement, je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Ah, mais courage à toi, mon cher. Mon cher Emile, moi. Pas qu'en Bloodborne, quoi. C'est-à-dire que je augmente la résolution si ça augmente le nombre de pixels pour conserver le même niveau de détail. Ah oui, ça augmente ta résolution. Ah, pas bête, Cairo. J'ai pas vu sur cet angle-là. Ouais, ça peut être comme ça aussi, vu du... mais arrête, mais Jenan est toute ton équipe sur le terrain, avec son hurlement de merde, là. Bordel. Il fait que ça depuis tout à l'heure. Non, mais il est fou, lui. Ah, Van de Juice. En plus, je vais les battre pour dégager les Wilmer, là, qui bloquent le barrage de la route, là. Allez. Allez, tout le monde partage sur 121. Allez, partagez-vous, faites-vous plaisir. ouais, j'ai changé, je vais prendre Balbuto. Je me demande, en fait, si c'est le cas, c'est complètement pété. Ah ouais. Non, mais ça va, je vis bien. Ah bah, mon courage, je savais pas, tu vois, mon cher Emile-moi, en vrai. En vrai, je dis ça parce que je. En vrai, bon courage à toi, mon cher Emile-moi. Et donnez beaucoup de force à Emile-moi, il est vraiment gentil et il mérite que des bonnes choses, mon cher Emile-moi. C'est essentiel en étant mieux, mais grave. Grave. Moi, je le vis mal, mes dettes, c'est même pas les miennes, fuck l'ex-mari. Ah ouais. Ouais. Ça c'est pas facile aussi, hein, des fois les histoires de rupture, machin, en plus quand t'es marié ou toi, c'est, des fois ça peut être aussi un problème à plein de choses. C'est pour ça qu'on m'a dit, enfin je vous le dis hein, les gars, enfin, j'ai qu'à l'intérêt à me cacher, hein. Ah il me casse les couilles, mon tue mon Balbuto. Vas-y, on va remettre à la vie. Moi en vrai je pense pas me marier, hein. Enfin, je pourrais dire casser le délire de tout le monde, hein, mais je pense pas, enfin je verrai. C'est pas dans mon délire perso. On verra, je parle peut-être trop vite. On verra ça un peu plus tard. Peut-être, qui sait en fait. Courage, Jenny. Ouais, courage à toi aussi, Jenny. Aimez-le-moi. Courage à vous deux. Courage à James Sack qui sont mal de dos. Tous ces courage à Gabin qui a mal, qui est malade. Allez. Allez, go. Ah là, je suis juste Bertima quoi et j'ai perdu un Balbuto dans l'histoire. 620 Poké-Dollars. Ok. Attends, est-ce que j'ai un troisième dresseur là? J'ai essayé de réanimer mon. Ah, merci Elcor pour tes 5 drapeaux d'amour. Ces 5 drapeaux de. D'amour. Clairement, c'est drapeau d'amour pour moi, voilà. C'est la vérité. Donc, merci à toi, mon cher Elcor. Et énormément de love à toi. Et merci pour ton soutien. T'as fait le plaisir. Ça fait pas plaisir. Et dès que mon ami Nord V est plus disponible, je lui demanderai si ça lui dérangerait pas de qu'on voit ensemble pour les. Et je prends mon temps, j'ai pas envie de la déranger, sachant qu'elle est en vacances depuis plus d'un mois. Je vais la laisser un peu tranquille aussi. Les gens ont besoin tous d'être tranquilles et j'ose pas déranger les gens quand je sais qu'ils sont en vacances. Enfin, j'évite un maximum quoi. Faut pas ne pas vouloir se marier. Ah! Ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas, Jenny. La vérité, je sais pas. J'y réfléchis. Déjà, faut que j'ai une copine, on verra. Une chose à la fois. Hein. Ah, merci le James pour tes 40 bits d'amour. Tiens, moi aussi, je te renvoie ça, t'as tout. Et là, finance le futur mariage de Alex. Ah bah, il faut me trouver. Je suis marié avec Monster. Non, mais en vrai, les gars, moi, le mariage, on en reparlera. Vous voulez sauvegarder la partie? Oui, sauvegarder, sauvegarder. Dans mes oreillettes, on me dit que Anonymous serait de repasser furtivement bientôt, et moi. Ah, bah écoute. Anonymous, je pense qu'il veut venir faire plaisir, en fait. Ça fait le plaisir ou pas? Il veut faire plaisir, je crois. C'est-à-dire que demain et mercredi, je vais quasiment pas être sur Twitch, putain. Encore une fois, je vais encore passer ma journée la semaine dehors, là. Hé, hey, je me rappelle de toi, au mont cheminée. C'est l'heure de la revanche. Ah oui, c'est lui qu'on a cassé la gueule, là, qui avait bloqué la porte, là. Enfin, avec les éclatrocs, là. Allez, on va le fight, lui. Il avait quoi déjà, lui? Carmana, Sharpedo, c'est ça? Je vais lire. Faut pas ne pas vouloir se marier. Donc d'ici 100 ans, c'est good. Lol, voilà. Ça fait que 10 000 mois de sub environ. C'est exactement ça, 10 000 mois. Allez, tombe roche sur Carvana. Ça fait le plaisir ou pas? Moi, je m'en fous, je lui mets une raclée. Gabin va lire le chat, c'est très instructif. Mais je reste ici. Ah, c'est le plaisir. Mais oui, amusez-vous le maximum, les amis, vraiment. Et profitez de l'été là qui fait beau, profitez, aller au soleil, aller un peu à la mer, on devait passer une nuit à la mer là, dormir dehors là, je sais même pas comment on va faire ça là. On a prévu plein de trucs là avec la famille là. Lol non, lis un vrai livre et bientôt dodo. Ah ouais, il y a un vrai livre aussi, ça peut le faire.
ça passe aussi, quoi. Allez, bah lui, tout level 30, là, pour longtemps. Huch. Non. Il veut pas. Hein. Il veut pas monter le level, hein. Ah, grassement. Grassement, ça m'a fait des grassements. D'ailleurs, j'ai fait ouh. Il m'a grassé dans les oreilles, là. Allez, tue-moi, lui, là, caravane mes couilles, là. Il m'a copié, j'ai peux porter plainte. Mais quoi donc, Jamel? Dis-moi, c'est pas... Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah, ma... Ah, c'est ma mère qui dit souvent ça pour me... Pour... Quand tu vois, pour rigoler, elle se dit souvent ça, elle disait « Dis-moi pas que c'est pas vrai !» Elle disait ça avant, quand j'ai... il y a quelques années, elle disait encore ça. Elle aimait bien dire ça, la petite Madré, là. La petite Madré Mia, elle aimait bien... Elle aimait bien dire ça. Bien gamin d'aller au dodo. Ah. Regardez, le papa qui est là pour son fils. Ça, c'est magnifique. Prenons de la graine qu'on voudrait des enfants. Ah, j'ai perdu Balbuto, je suis dégoûté. Bon ben, garde-voir, hein, écoute, c'est l'heure de ton devoir. Il m'a dit copier, bah porte plainte, écoute, moi. Moi j'ai rien à voir avec tout ça. Hein. J'ai loupé un épisode, ben. T'en sais des choses sur Gabin? C'est son père, je crois, si je me trompe pas. C'est Good, mon fils seul. Et salut Matt! Beaucoup de love à toi, comment tu vas Matt? Comment s'est passée ta semaine? Comment se passe ton... Est-ce que tu fais beau par chez toi? Est-ce que tu passes une bonne semaine? Est-ce que toi aussi t'as passé ta journée au soleil dehors? Comment tu vas, Matt? J'espère que tu vas bien. Bah, ça va super, et toi? Ça va super, écoute, on parle tous entre nous, on rigole depuis tout à l'heure, on dit des conneries, on raconte notre life. J'étais en train de parler de mariage, on parle d'enfants, on parle de problèmes de la vie. On parle un peu de tout ici. C'est un peu soirée cafette, soirée bar, même. Moi j'ai pas pris d'alcool, hein, mais c'est soirée bar, voilà quoi. Ah, ils font chier sur Carvana, là. Je suis toujours les mêmes attaques en plus. Bisous, mais bonne soirée si tu vas dodo, gamin. Bonne soirée à toi. Et merci d'être passé, et puis bah, à très vite. N'hésite pas à repasser, donner du love. Non, là, moi je suis le père de gamin, voilà. C'est Emile Moi le père gamin. On est chaud et on a chaud. Exactement. On est chaud et on a chaud. Vous avez tout expliqué, les gars, bien vu. Ah ouais, mais il garde voir, il sert à rien face à lui en gros. On va prendre l'Edel, c'est bon, et l'Edel, depuis ses grands. Voilà. Voilà, vous avez compris. Mon adversaire, ça m'a compris, mais moi. Moi, je découvre des paternités. Hein? Ouais, le deuxième sac, il nous fait peur. Hein. Le deuxième sac, il nous fait peur quand même. Là. Tu apprends que t'as eu des enfants, c'est ça, le deuxième sac, ça? Des enfants que tu avais cachés depuis des années. C'est ça? C'est ça, le deuxième sac? Combien il y en avait combien? Par sac. Personne, la paternité elle est loin. Pareil pour moi, la paternité elle est loin. Encore des années, hein, je vous le dis, hein, c'est bon. Même 25 ans elle est encore loin, hein, c'est bon. On a le temps. La vie est avant tout. Allez! Oulala, il attaque des grands-mères, oulala, lui. On ne fait pas ça aux mamies, monsieur. Hein. En fait, Alex, c'est le fils de James Sachs. Voilà, exactement. Ah, génial. Je l'avais dit que c'était un secret. Kenny, fallait pas le dire, il y a que toi qui le savais que James Sachs c'était mon père. On vient de découvrir la paternité de Emile Moi. Ah ouais, bon, là il y a Jenny qui a nous dire notre secret, James Sachs. Bon, on va devoir leur dire James Sachs, hein, je crois. Donc du coup, je suis le fils de James Sachs. Et du coup, quand James Sachs, ben, il a su, il m'a dit, fiston. Il m'a dit, oh boulot, dépêche-toi. Et toi, tu es sa sœur, bien sûr. Et puis Jenny est en fait la sœur d'Alex. Donc c'est là. Bah non, il n'y a aucun lien avec James Sachs du coup. Voilà, on est tous une grande famille. Et Emile Moi, c'est mon tonton. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de d'autre? Vous comprenez tout maintenant. On est une famille. On est une grande famille cachée. Là, il y a des gens qui arrivent sur le live, ils disent c'est quoi, c'est foufou là. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme drogue avant de faire des streams? Bah, qu'est-ce qu'il a pris Alex avant de faire un live? Il a pris une drogue alors que non, pas du tout. Je suis tout à fait normal et je pense normal. Enfin, je veux dire que je suis tranquille. Un neveu insupportable qui parle tout le temps. Ah non, arrête. T'as pas le droit de dire ça, Edcore. T'as pas le droit de dire ça, je suis pas d'accord. T'as pas le droit de dire ça. Il a pas voulu te reconnaître. Oui, papa. Oh là 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 là. Ah non, moi je suis là, Jenny, t'inquiète. Le délire.
m'a perdu Machine Games. Là, il est encore là. Il essaie de comprendre, je pense, comme les gens qui arrivent. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont partis loin dans leur délire là. Il y a des gens, ils vont arriver sur le live, ils vont me dire, mais Alex, il est fou ce soir. Bon, en même temps, j'ai passé une belle journée. Qu'est-ce que je vous dise d'autre? Non, mais allô, quoi. Pas encore toi. Tu as fait chouiner nos plans à plusieurs reprises, mais là, tu arrives trop tard. L'orbe rouge qui était au sommet du mont Merboria. Moi, Arthur, je proclamais mien. Ah, je vais enfin réaliser la grande ambition. Venez, équipier. En avant, Guingamp. En avant le pauvre sel, pardon. Je me suis trompé, désolé, je me suis égaré. Oh non, c'est pas possible. Comment ont-ils pu prendre l'orbe rouge? Il ne faut jamais séparer l'orbe bleu et l'orbe rouge, évidemment. Sinon, ça fait des bubules. Boum, ou des confettis. Hop. Bien, tu prends l'orbe bleue qui reste. Rattrape ce type ignoble et récupère l'autre orbe. Allez, on est parti, on va aller chasser les orbes. Non, mais moi, je suis le père de personne. Hein. Tout ceci est une blague, précise pour ceux qui prennent ça au sérieux. Oui, bien sûr. Oui, papa, on ne dira pas. Oui, oui, bien sûr. Moi, j'aime ça que c'est pas mon père. Hein. C'est mon père, mais chut. Et coucou, Deck. Deck qui arrive, ils ont quoi. Bonsoir, mon cher Deck. Beaucoup de love à toi, Deck. Comment tu vas, monsieur Deck? Comment va, mon cher Deck? Ça fait plaisir de te voir. Beaucoup de love à toi, Deck. Comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu as repris le boulot du coup? Toi, t'as repris le boulot il y a une semaine, toi, non? Ou deux semaines? Oh, je sais plus. Voilà. Tu nous le diras, au pire. Bon, tu vois, Deck, on est en plein délire là. Ça fait... C'était pas prévu mon live de ce soir, mais j'en profite parce que demain et mercredi, je live pas. Donc, j'en profite un petit peu pour parler avec vous et il n'y a pas d'heure pour les braves, hein, comme on dit. Donc, je dorme pas pour l'instant. Yop, Deck. Qui sait, 67 peut-être ton âge? Ah! Il y a peut-être des secrets qui sont cachés parmi ces pseudos. Peut-être que Ginny a 21 ans. Peut-être. Peut-être. Et peut-être que Deck a un an. On sait pas non plus. Voilà. Peut-être. Peut-être que Deck a un an. Peut-être que Ginny a 21 ans et Jamesack 67 ans. Tout ceci est un mystère. Alex met orbe bleue dans le poche objet rare. Ok. Oui, j'ai compris, merci. Il va pas être séparé. En gros, il faut que je retrouve vite le chef de la team Aqua. Dans son repère, du coup. Ok, on va aller au repère, mais juste avant, on va se préparer, hein, parce que là, ça sent le fight. Un récit raconté à Owen. On écoute ou pas, les gars? On écoute? Allez, on va écouter. Écoutez bien, les amis. C'était il y a très longtemps. Le monde était ravagé par un conflit acharné entre les Pokémon de la Terre et les Pokémon de la Mer, Ruby et Saphir. Les Pokémon de la Mer soulevèrent des vagues et découpèrent des océans. Les Pokémon de la Terre igèrent des montagnes et créèrent des continents. Leurs yeux acharnés sévissaient sans fin. Le monde fut englouti par des brasiers ardents et de violentes tempêtes. L'orbe bleue et l'orbe rouge, donc Ruby et Saphir, mirent fin à ce désastre. Pardon. La lumière jaillit des deux orbes et apaisa les adversaires furieux. Puis, les deux Pokémon finirent par disparaître dans les profondeurs de la mer. Y a pas de problème dans son histoire, les gars. Enfin, je vais pas spoil, mais Kyogre, c'est Saphir, Groudon, c'est Ruby. En quelle année Groudon, il va sous l'eau? Ouais, on va dire Groudon, il est sous l'eau, vas-y. Franchement, ce jeu, des fois, il est chelou. Ok, Groudon, il va sous l'eau, j'ai rien dit. Allez, c'est un type haut, allez. Ok, j'ai peut-être fumé trop avant de venir faire ce live, c'est bizarre, et... on éviterait des conneries. C'est un super deck, excuse-moi. C'est un super deck, ça fait plaisir de te voir en tout cas. Beaucoup de love à toi, j'espère que ta semaine se passe très très bien. J'espère que tu vas bien toi aussi. En plus, là, je suis content parce que. Regarde, mec. Je suis content parce que. Regardez pourquoi. J'ai trouvé une merveille. Jamesack, même Matt, ça va vous faire plaisir. J'ai un ballon de foot. Ouais. Non, en vrai, je l'ai gardé à mon. C'est moi qui ai dû garder le ballon parce que. Il y a que moi qui ai mis un sac. Je refais du foot, les gars. Ça y est, on fait du foot, là, je vais me mettre demain, survette, on va faire un peu de foot. Ah, ça fait longtemps que je me suis pas mis au foot, ça m'a fait plaisir, là. Il va falloir que je fasse un peu de foot, là, avec la famille. Faut me prévenir quand tu fais des choses comme ça, Emile-moi. Il a fait quoi, Emile-moi? C'est mon deuxième fils. Ah, ouais, oh, bah... Bah, écoutez, moi, ça me regarde plus. Ça me regarde plus. C'est un délire, mec, désolé, il y avait mon vrai fils tout à l'heure, et c'est parti en live, ouais, voilà. On est en live, justement, donc c'est parti en live, c'est le cas de le dire. D'ailleurs... Ce que je vais dire, ça, c'est chelou, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait si la nouvelle vidéo de Greg Guillotin est sortie, là? Son nouveau prank, là, sur le pire stagiaire, j'ai entendu regarder, moi, le troisième épisode. Oui, j'avais compris.
Ouais, je vais regarder après au pire, après le live. Tous les soirs, il y a un délire, de toute façon. Ouais, l'autre fois, c'était Halo. Pas le troisième. Ok, merci, Matt. Merci à toi. Merci, Matt. Ouais, parce que moi, j'attends le troisième épisode. Là. Je croyais que ça allait sortir aujourd'hui ou quoi, moi, mais... Vu que Greg Guillotin, il n'y a pas mis de nouvelle annonce, là. C'était sur Halo, parce que je disais, avec Emile, moi, toi et A3, là, on avait un délire sur Halo, là. Jenny, elle en pouvait plus sur son live. Elle dit arrêtez, 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 là, j'ai une tête comme ça. On faisait que ça. Oui, voilà, c'était ailleurs. Exactement. Allez, on va aller dans la grotte de la team Aqua, là. On va mettre une petite raclée. Hop, regardez. Comment la cité. Ouh. Ouh, une roue. Je vais vous laisser, je vais dodo. Des bisous, bonne soirée. Mais bon dodo à toi, Deck. Repose-toi bien. Dors bien, des bisous, beaucoup de love à toi. Et. Allô, maman dodo. Merci de passer, Deck. Et au plaisir de te revoir sur la chaîne. Mais non, t'es bienvenu. Hein. Tu sais que t'es le bienvenu et tu viens quand tu veux. Beaucoup de love à toi, mon cher Deck. Et puis passe une bonne semaine si tu travailles, en tout cas. Ça fait plaisir de te voir. Des bisous à toi, Deck. Bonne nuit, Deck. Mais c'est ailleurs. Et j'ai tout lu. Ok. Ok, fuite. Tu me lis une histoire. Ah, et Deck, il va te lire une histoire, mais tu vas t'endormir en 10 secondes. En plus, ce Bulmo, il y a une voix qui porte bien, donc c'est bon. Ça va être super pour toi, là, pour faire un petit dodo. Bah, si, moi, il est chaud pour finir une histoire, après. Quoi, qu'est-ce que tu veux, là, c'est ma quoi. Notre chef est pas là. Mais il est où, son chef. Il est où, son chef. Ouh là là, il y a pauvre sel. Il y a pauvre sel. On va voir ce qu'il y a pauvre sel du coup, les gars. Attends, il y a pauvre sel. J'arrive, fiston. Jenny, Matt, James Sachs. Et encore Matt. Merci les copains. mais merci. Merci à toi d'être passé, surtout Deck. Ça fait plaisir, tu es le bienvenu. Vous êtes tous le bienvenu, vous savez. Vous venez faire un petit coucou, passer un bon moment, on rigole entre nous. En plus, on est en soirée, on peut dire ce qu'on veut, là. J'ai le bisou tout plus activé, je crois, non. Les tours aillés, c'est activé, il me semble. Ah, d'ailleurs, émule-moi. Non, je t'en parlerai en privé. J'allais dire un truc, mais je t'en parlerai en privé. Parce que peut-être que tu veux pas en parler en live, donc je t'en parlerai en privé. Parce que j'ai vu quelque chose. Mais je pense que ça, t'as dû voir que, aussi chez toi, là, il y a un problème, je crois. Mais on reparlera plus tard, si tu veux. J'en ai parlé avec je sais plus qui, mais j'avais vu un truc. Il est au lit, lol. En live. De quoi en live? De quoi en live, Jenny? Ah, demain, on en parlera sur son live, c'est ça? Mais tu veux de quoi je parle, hein, Jenny? Ok, poteau, ouais. Je crois que c'était... On l'avait vu avec Jenny, ce truc-là, il me semble. Ah, il y a un bout. Ouh, c'est pas ce quoi, là? Ouh, c'est pas mon signe. What? Il est parti faire l'amour avec son Yoshi. Oulala, oulala. On perd le corps, ça y est. Ah oui. On en parle entre nous. Oui, on en parle entre nous, t'inquiète. Mais... ça peut arriver à moi aussi, quoi. Non, rien à voir. Mais non, Jenny, rien à voir. Mais non, rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. T'inquiète, ça va rien avoir du tout avec ça, jamais je dirais ça en live de toute ma vie. Je parlerai jamais de trucs comme ça en live. C'était autre chose, rien à voir, c'est à part en parler 1000 mois que seulement. Non, ça va rien à voir, Jenny, ça va rien à voir. Mais non, mais ça, mais pas du tout. Mais non, ça c'est autre chose. Ça, c'est surtout entre que entre toi et moi, surtout ça. T'inquiète. Voilà, regarde, non, tout le monde s'inquiète là. Les gars, vous faites trop de mystères en live. Mais non, mais c'était rien à voir. Non, c'était par rapport au stream. C'était un truc. Par rapport aux bots. Voilà, c'était par rapport aux bots. C'était surtout ça, Jenny. Oh, mais Jenny, elle... Jenny. Mais non, mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue, les gars. Il faut qu'on joue au jeu. En effet, nous comptons professeur grâce à son opération. Allez. Mais non, personne, mais non, c'est personne qui l'a. C'est quelqu'un que personne connaît. Enfin, personne connaît vraiment, enfin. C'est compliqué quoi. Sur la chaîne où pas tout le monde connaît. Ouais. C'est compliqué, mais c'est pas en live.
C'est bien une seule chose sur ma chaîne que j'ai horreur, c'est de parler de choses négatives envers quelqu'un ou quoi. Ça c'est vraiment entre en privé ou quoi. J'aime pas en faire en live ou quoi. C'est histoire de faire des problèmes. Donc je préfère. Ouais. Non, mais y'a rien. N'inquiétez pas, y'a rien, les gars. Y'a rien avec personne. C'est surtout entre Jenny et moi. Voilà. Surtout par rapport avec Jenny et moi. Voilà. C'est y'a que nous deux, voilà. Qui c'est ce truc là. Mais c'était pas par rapport à ça. Et moi, non. Sinon, j'aurais pas dit ça en live. Jamais. Ça, j'aurais jamais dit des trucs comme ça en live. Ça, c'était par rapport à un truc qu'on avait remarqué à deux. Ah! Il est où? Même sans teaser, c'est ça sur vos 8 prochains lives car vous êtes bons, les gars. Ah, mais c'est un bon Jamesax. Beaucoup de love à lui. Mais non. Attendez deux secondes. Attendez, je vous reprends en deux secondes, les gars. Voilà, alors du coup, ouais, c'est moi qui est amoureux des 1000 mois, mais je vais pas le dire, voilà, je vous le dis maintenant, je suis amoureux des 1000 mois. Non, mais c'était pas ça du tout, les gars. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Voilà. Hop, ok, il est là, chef de la team à quoi. On va s'en occuper. Hop. Ah, je compatis. Tous ces efforts me suivent jusqu'au mont Bermoria. Maintenant, personne ne peut nous arrêter. Surtout que je suis quasiment jamais sur Twitch, je ferai jamais de problème ou quoi par rapport à des personnes ou quoi. C'est un truc que je vais en reparler en plus de jouer. Bah, je suis gêné quand on en parle, mais j'aime pas. Non, j'ai pas que ça qu'à faire. Surtout que je passe 90% du temps à l'extérieur de Twitch en ce moment, donc jamais. On peut être. Ou peut-être qu'on tue nous suivre dans notre plan de année du cric. Ah! Les personnages les plus charismatiques sur Pokémon! Ah, c'est vrai. Là, je suis d'accord avec toi, là, Matt. Ouais. Pourquoi la team Aqua voudrait-elle voler les sous-marins d'exploration? Comme dirait Matt, justement. Il ne s'intéresse pas aux Pokémon qui s'émerveillent au fond de l'océan. De toute façon, même si vous les poursuivez, vous n'aurez aucune chance. Au pire, si jamais le truc, j'en parlerai dans les trucs modo, vous le saurez tous, hein, les modos. Si jamais vous voulez savoir l'autre truc, mais c'est vraiment rien du tout. Faut vraiment pas prendre la tête pour si peu, les gars. Vous allez voir, c'est vraiment un truc. C'est tout con, l'autre truc. Il y a de très loin. Grave. Ah oui, j'ai oublié. Mais pourquoi Dimsax c'est si méchant? Mais il est pas méchant, Dimsax. C'est une boule d'amour. Et c'est la plus grande boule d'amour que je connaisse à l'heure actuelle. Non! Dimsax aussi aime l'Orangina Rouge. Je kiffe l'Orangina Rouge. C'est trop bon. C'est trop bon, l'Orangina Rouge, les gars. J'adore ça. Ah, je kiffe ça. Allez, go, repère la team à quoi. C'est bon, là, on va mettre une pâtée au chef, là. Il va rien comprendre, là. On va aller affronter le chef de la team à quoi, les gars. Et enfin, on va lui faire un peu de fight là-bas. Et puis, on va cesser. Hop. Et puis, on ira raid quelqu'un. En plus, on est beaucoup. On pourra faire un petit. Enfin, si on est encore beaucoup, on ira raid un ami streamer. Qu'on n'a pas l'habitude de raid le soir. Parce que le soir, on live pas beaucoup. Donc, ça fera le plaisir d'aller faire un petit coucou. Surtout, je sais pas qui en live actuellement. Mais il y a bien quelqu'un que j'ai pas pu raid ou jamais de ma vie, peut-être. Non, la boule d'amour, c'est Monster. Ah là. Il marque un point. C'est la meilleure boule d'amour qui existe à l'heure actuelle. Ça, je suis d'accord. Personne ne le battra. Là, Jamesax, tu marques un point. Monster, une grosse boule d'amour, on l'aime. On t'aime, Monster. Voilà. Ouais. Ouais, Jenny, il est super sympa. De toute façon, il y a beaucoup de personnes sympas qui viennent ici. Je vous le dis la vérité. Hein. Vous êtes tous super sympas, les gars. C'est pour ça qu'il n'y a pas de drama ou quoi. Vraiment, faut pas se prendre la tête en disant... Enfin, faut pas en parler quand il y a. Si même moi je parle de. Je vois qu'il y a un souci quelqu'un, il en parle avec quelqu'un, faut pas que vous en parlez sur le live. Ça n'a aucun sens, c'est histoire de faire des problèmes pour rien, surtout qu'on s'aime bien malgré tout entre nous quoi. C'est vraiment con. Alors attends, est-ce que lui il m'affronte lui ou pas? Hop, y'a rien du tout ici. Ah, dépasser le voir, ouais, super sympa. Mais en forme de quoi? T'es en forme parce que tu as sûrement pris un repos chez la grand-mère dans un village de Pokémon. Ouais. Ouais, ça c'est le moyen de faire un doute à quelqu'un, ça, Jamesax. J'ai posé une bombe, excusez-moi. Mais non, Jenny. Eh, t'inquiète pas.
T'en fais pas, y'a pas de soucis. C'est moi, je m'arrive à faire des erreurs, genre tout le monde a fait. J'en fais pas mal d'erreurs, je fais que ça cette année des erreurs, donc ne vous inquiétez pas. Je suis pas irréprochable, hein, loin de là. Il y a plein de trucs, tu sais, je suis pas irréprochable, je fais que des erreurs. Et voilà. On en fait tous, franchement, moi j'en veux pas, t'inquiète pas. Y a rien, exactement, y a personne de négatif. Voilà, Jenny, elle a tout dit. Mais beaucoup de love, Jenny. Vraiment, t'inquiète pas. Vraiment. Si moi je te dis t'inquiète pas, tu le sais, hein, tu me connais. C'est vrai. Tiens, vous savez quoi? Regardez, prenez ça. Hop. C'est pour vous. Ah, voilà. Et moi, il y a une bombe. Voilà, magnifique. C'était le jeu qu'il fallait faire. En parler sur le live, faire un tweet, puis c'est de faire Reddit, liberté d'internet, quoi. Oui, voilà, bon. Moi, je ferais pas ça. Et. Ah, Matt a fait sauter la bombe. Bah, allez, remettez une bombe, là, c'est bon. On va dire que ça comptait pas. C'était l'essai. Matt, elle voulait essayer pour voir si ça marchait. Retester, allez-y. Ouais, coucou mon cher Don, coucou tout le monde. Oh, coucou mon cher Aurel, fait plaisir de te voir. Comment s'est passé tes vacances, Aurel? On s'est pas eu le temps de se voir encore depuis ta rentrée de vacances. Comment tu vas, mon cher Aurel? Comment il va, le beau Aurel? Est-ce qu'il a pris des couleurs, ce beau italien là? Vous voyez, si vous voulez voir un beau italien tout bronzé, tout mignon, tout beau gosse, là, il y a Aurel, la Iman Team. Vous savez quoi, vous pouvez même le voir en live parce qu'il fait des lives et il est sûrement très très beau, il a dû prendre des couleurs là. Il faut rien de voir comment s'est passé tes vacances, voir ce que tu fais. C'est vrai que j'ai pas été beaucoup voir Aurel aussi. Bon, il y a encore des personnes qui n'ont pas été faire un coucou. Alors que c'est. Je suis jamais sur Switch en ce moment. Comment tu vas, mon cher Aurel? En effet, ça va super, vacances super, j'ai pris un peu de couleur. Oh. Tu dois être encore plus beau que moi maintenant. Et dis pas le contraire, Aurel. Hein. T'es encore plus beau que moi et ça, tu le sais. Comment tu vas, mon cher Aurel? Ça fait plaisir de te voir, l'ami. Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Mensonge! Non! Non, non, c'est le nom qui fait. Oh, non. Allez, comme tu vois, je suis en pleine forme, Aurel. Je pète d'énergie là. J'ai l'impression que j'ai dormi 8 jours d'affilée. Je suis en pleine forme. C'est toi qui es beau. Vous êtes tous beaux. Aurel en premier, James Sachs en premier, et Emile Moi en premier, Jenny en première. Et vous êtes tous beaux. Donc n'hésitez pas à le voir, Aurel Animan Team, si vous connaissez pas. Il a repris les lives, je l'ai vu en live plusieurs fois et j'ai pas encore eu le temps d'aller faire un coucou parce que j'arrête pas en ce moment IRL. Mais n'hésitez pas à aller le voir, en tout cas, vous avez passé du moment. El Intenso. Voilà, je vous dis en italien, El Intenso. Intenso. Voilà, je vous dis la vérité. Magnifico. Voilà, je pouvais pas mieux dire en italien. Je suis la seule fille. Non, il y a Abo. Il y a plein de personnes qui passent, il y a MC, il y a des gens, il y a plein de personnes, de filles hein, qui passent, hein, faire du coucou, t'inquiète pas. Hein. Toujours, James Sachs. Toujours aussi vif sur les SO. Ah, t'as fait un SO, hein, Matt, excuse-moi, j'ai pas vu. Ah bah écoute, parfait. Merci pour les SO, les gars, merci à vous pour les SO, j'ai pas vu, merci. Mais écoutez, n'hésitez pas à aller voir Aurel en tout cas, vraiment, super personne. Vraiment, je vous le dis la vérité, il est super gentil et c'est rare. Ce sont des personnes qui sont aussi proches de moi en termes de love. Et vraiment, ça peut être aussi un frère jumeau comme James Sachs, il est aussi gentil que moi. Vraiment, si vous aimez ma gentillesse, bah vous allez aimer la gentillesse d'Aurel. Je vous dis la vérité, c'est quelqu'un super, super gentil. Vraiment. Mais moi, quand je le vois, il est toujours bien accueillant et il a toujours le sourire aux lèvres. Il a toujours le sourire qui il a jamais la négativité sur son sourire, il est toujours souriant et ça c'est super beau de ça. Il a son beau regard. Il faut qu'on parle toi et moi. Ah bah écoute, y'a pas de soucis Aurel, y'a pas de soucis, bah quand tu veux. Y'a pas de soucis, tu peux parler quand tu veux. J'espère que c'est pas un drama. Si c'est des dramas, j'en veux pas. Hein. Non je rigole Aurel. C'est fait un coup de pression, c'est le mec qui vient, il fait des coups de pression. Y'a pas de soucis, non mais je sais Aurel. Parce que j'aime bien mes coups de pression. Mais pour voir comment la personne va réagir en live en mode ta merde, je suis gêné, je sais pas quoi lui dire. Ah mais c'est parce que je suis en pleine forme en ce moment, je dis des conneries, ne vous inquiétez pas les gars. Ouais y'a que de l'amour ici, mais grave. Non mais je sais Aurel, mais y'a pas de soucis. Bah si tu veux tu peux même payer là, hein, je le verrai à la fin du live, t'inquiète, de toute façon j'ai pas arrêté trop tard Aurel. Donc je verrai ton message ce soir. Et prends vite parce que demain et mercredi je suis pas trop sur Switch hein, et sur Discord. Donc je pourrais pas trop vous revoir les messages. Sur ça je dois répondre à 2-3 messages en les dodo là, vite fait. Parce que demain et mercredi je vais enchaîner mes journées là. Je dois faire de la bouffe, je dois partir tout l'après-midi, faire du sport. On doit prévoir une soirée à la plage, là, je sais même pas comment on va faire. Ça va être le bordel. Puis là je vais arrêter peut-être mon frère bientôt pour quelque chose.
Toujours des bons choix, sauf pour mon ex-mari. Ah, mais écoutez, on fait pas toujours des bons choix. Vraiment. Merci beaucoup, mais moi, ça fait plaisir. Et ces lives à Imagine sont tous différents et intéressants, même quand ils cuisinent. Ouais, c'est la cuisine et ça doit être magnifico. Ça doit être magnifico. Et franchement, un Italien qui fait la cuisine, ça peut être que bon. Je vous dis la vérité, hein, les gars. C'est pas du... C'est pas... c'est la vérité, hein. C'est dans les gènes, la bouffe. Enfin, c'est aussi dans le talent. C'est dans les gènes aussi. C'est dans les deux. C'est un peu des deux. C'est pas que le talent et les gènes, c'est l'envie aussi. Le courage de faire attention. Moi, en vrai, j'aime bien faire des plats. Je vis tout seul. Ça fait des années. En résidence étudiant, foyer, j'étais au foyer et tout. Et franchement, j'ai toujours été tout seul. Et j'ai toujours aimé faire à manger. Ça m'a jamais dérangé. Toujours. Mais moi, je veux marier Doudou, dites-lui MDR. Ah, Jay. T'avais le plaisir de m'entendre des trucs comme ça, c'est mignon. Ti parlo un chat, tu no ti preoccupi. Non, preoccupi, caro mio. C'est bien le sport, exactement, j'en fais pas mal moi de sport, je fais que ça de la journée. Je fais du foot, je fais du ping-pong, on court souvent aussi là, pour échapper aux flics. Non, c'est pas vrai. Encore, je suis un voleur après, attendez. Allez en français maintenant, Aurel, allez. Non, faut que tu retraduises pour Demsack, parce que Demsack, je crois qu'il a pas compris. Oh, ça sent la Monster Mall. Ah, il va parler aussi à Demsack. Ah bah écoute, n'hésite pas, Aurel, n'hésite pas. Mais je crois savoir, mais je suis pas sûr. Donc je vais pas, je dirai rien là. Mais je crois savoir. Appelle Doudou comme pour lui dire un truc. Ah, écoutez, hein, les amis, ça me concerne pas. Ça me concerne pas du tout. Parle-nous tout alors. Parle-nous tout. Non, parce que Aurel nous connaît depuis longtemps aussi. Hein. Il peut nous faire confiance. Alors attendez, gauche ou droite? Hein? Gauche ou droite? Premier qui dit gauche ou droite, je prends. Qui que ce soit. Même si c'est un troll. Et après, je le banne derrière si c'est un troll. Et qu'il est méchant. Gauche, Aurel. Alors, du coup. Ah, moi, je dis, prends le premier qui vient. Oh, regardez qui, là. Faut que tu te remettes au tennis. Eh, mais moi, si un jour, on peut se faire des parties de tennis, avec plaisir. J'adore le sport. On dirait pas comme ça, hein. Parce que je suis pas, tu vois. Mais je kiffe le sport. Moi, je kiffe le sport. En vrai, j'ai toujours kiffé le sport, mais j'ai jamais mis assez, à 100% ma volonté pour faire du sport. Et là, je commence à en mettre beaucoup, là, en ce moment. Parce que là, je suis en train de me dire, j'ai pas fait assez de sport que je voulais faire. J'aimais le tennis de table, j'aimais le foot, j'aimais le basket, j'aimais le tennis. J'aime bien le hand, j'aime bien le badminton. Le hand, j'en avais fait aussi, j'adorais ça. J'aime bien courir, les courses à, tout ce qui est course à pied et tout. Et après, bah, le rugby, j'aimais bien, mais le problème, c'est que je me niquais tout le temps quand je suis pas gros. Et quand je me promenais des... Quand je me promenais des... Comment dire, des... Je me prenais des gros coups de bourrinage, là, comme des sbires, là. Une fois, je me suis niqué le bras. Et je me pose la question, c'est pas à cause de ça que je suis souvent ça avec mon bras. Mais non, je pense pas que c'est dû au rugby. Ça m'a pas fait mal très longtemps, le rugby, quand je me suis cassé le bras, là. Parce que quand j'étais dans le sud-ouest, on faisait du rugby dans le sud-ouest. Super, le tennis, génie, c'est bien. Fais à ton rythme, mais grave. Le plaquage, oui, plaquage, voilà. Ah, Cairo, voilà. Donnez du avec Cairo qui a les mots. Les genoux me limitent au niveau du sport. Ah ouais, c'est vrai, ça va pas être facile aussi quand t'es limité avec tes... Si t'as des problèmes de type génétique ou quoi, c'est vrai que c'est chiant. Ah, moi j'adore, faire du foot. En vrai, j'étais il y a un mois, tu m'as dit faire du foot. J'aurais dit, non, pas de foot. Là, aujourd'hui, j'ai le ballon en main. J'étais en jean. J'aurais été en survêt, j'aurais été encore plus chaud. J'ai dit, vas-y, j'ai pas envie de faire du foot en jean. J'aime pas ça, en plus il faisait chaud dehors, là. Demain, je me mets en short ou je me mets en survêt, mais pas en jean. Hop, tu as les moutes. Ah ouais, d'ailleurs, c'est quand Dini, tu m'as dit les emotes. Bientôt, tu vas avoir tes emotes, Dini aussi. Ça, c'est magnifique. Hop. Bah, moi, comme je disais, les amis, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, qu'ils n'ont pas été là depuis longtemps, dès que l'ami Nord V elle est moins plus disponible et moins en vacances, qu'elle profite aussi de son côté en vacances, elle le laisse tranquille. Je demanderai des emotes pour les cheers. On fera ça, comme ça, on aura des emotes aussi pour les cheers. Ça fait le plaisir, ça fait pas le plaisir. J'espère que ça vous fera plaisir, les amis. Je prends qui? Balbuto là? Balbuto devant, on laisse. Et on va monter la grogne. Allez. Ah, j'en ai marre de monter les gardes de la planque, je te défie. Elle doit se faire chier là, petite dame. Là. Moi, c'est pas vraiment le sport, c'est le sport qui essaie de venir à moi. Ah, ça, c'est autre chose. Ah, ça, c'est autre chose, mon cher Elcor.
Ça, c'est vrai que c'est votre corps autre chose, mais c'est intéressant aussi. Tout nous fait plaisir, grave. Tu as un œuf. What? Moi, j'aurais aimé, mais comme ils m'ont reçu qu'on baise, qu'ils aillent se faire. Tu as un œuf. Ah oui, pas mal. Ah, pas mal, petit, la studio. Ouais. Pff. Franchement, juger sur les. J'aime pas, moi, les gens qui jugent sur le. Sur le poids, sur qui on est. J'ai des proches qui sont comme ça, hein. Ils font ce qu'ils veulent, moi je le ferai pas. J'aime pas. C'est ma personnalité, j'aime pas ça, je suis quelqu'un d'égo. Je suis égo avec tout le monde, j'ai pas envie de juger qui que ce soit sur quoi que ce soit. On est tous différents, on est tous des boules d'amour à notre façon. Voilà. Je vous le dis. Votez-moi président. Votez-moi président et je ferai de notre monde, un monde meilleur. Hop. Ouais voilà, mais abuser les fouteux alors que tennis aucun jugement. Ah j'aime les deux moi. Foot, tennis. Je jugerai ni l'un ni l'autre. À la rentrée, je dois m'inscrire à voter. À voter? Tu as voté quoi? Ah t'as voté pour moi au présidentiel Aurel. Mais vas-y, Aurel, tu seras mon premier ministre si tu veux. Ah non, j'aime ça que c'est Aurel mes deux premiers ministres. Allez, oui, ça c'est fait. D'ailleurs les amis, j'en profite parce que j'ai oublié de le faire. N'hésitez pas à faire mon vote pour le prochain RPG. Et s'il y a un modo ou Matt ou j'aime ça, ce qu'il peut faire, point d'exclamation, YouTube et Discord, ceux qui n'ont pas le Discord, rejoignez le Discord. Et YouTube, ceux qui veulent voir mes derniers let's play et mes anciennes vidéos de Rodif ou de YouTube, tout est disponible. Merci Matt, merci pour le YouTube, merci à toi. Et merci pour le Discord aussi Matt, merci à toi. Donc n'hésitez pas à rejoindre les liens que Matt a mis, ça fait le plaisir, ça fait pas le plaisir. Mets-moi à la culture, allez, mets-moi à la culture. Matt, aux finances. Allez, on va tous faire d'un monde meilleur, c'est notre monde. Mais justement, on va perdre de la vitesse, with banana. Non, t'inquiète, ça craint rien, Diam Sax. On la garde tout le temps, la vitesse du clavier. Hein. Ça se perd pas, par contre. Ah, il m'a mis son gilet Jenna qui casse les couilles, là, en plus, garde-voir, là. Je suis abonné à ton YouTube. Oh, mais ça fait plaisir, YouTube. Oui, il est en génie. Voilà, il fait plaisir. En ce moment, j'ai vu qu'il y avait des amis là, de streamers qui étaient sur YouTube, j'étais voir leurs vidéos, ça m'a fait plaisir. Je le fais spécialement pour m'abonner à vous tous, mais les gentils Jenny. Vous voyez, ça, c'est une viewveuse super sympa, Jenny. Beaucoup de love à elle. Elle mérite beaucoup de love. Faut dire la vérité. S'il te plaît, si t'as fait bâillement, je t'insulte. Hurlement, pardon. Je t'insulte. J'ai pas hésité sur mon vote. Ah, pour le jeu rétro. Enfin, pour le RPG. Je sais pas, en vrai, je sais même pas ce que t'as choisi, Aurel. Si t'as voté pour un des deux, je sais pas ce que t'as choisi. Mais tu sais, j'ai énormément de personnes qui sont pour l'un et énormément de personnes qui sont pour l'autre. Et c'est très, très chaud. Film streamer par une stripteaseuse à ta langue a failli à ta langue a failli fourcher. Ah, ok, d'accord. J'ai pas capté, Icor. Ouais, je viens de capter ça. Ah, mais comme il y a décalage sur le téléphone, je vois Matt se faire des commandes avant que Alex dise un truc. Ah, ok. Bah, Matt sera plus rapide que toi, James Sachs, c'est la vie. Non, mais tu peux faire les commandes aussi, hein, même s'il y a du retard, hein, tu sais, James Sachs. Vous l'avez fait deux fois, au moins, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui a pas vu le lien d'avant, il le voit le deuxième. Moi, ça fait. Enfin, c'est surtout des liens pour. C'est pas des liens de pub ou quoi, c'est surtout des liens pour le prochain jeu. YouTube, si vous voulez voir ce que je fais sur YouTube aussi. T'es Premier ministre. Ton premier ministre, James Sachs, attends. T'es le Don Corleone, tu es parti l'un des deux conciliaires. Dans les deux conciliaires. J'ai toi, Yuna. Et tu fais partie des conciliaires. Hop, évidemment. Allez, hop. On va faire une petite coupe là. Matt, toujours on fire. Tu veux que je t'en laisse, James Sachs? Bah, faites-en tous les deux, hein, les gars, y'a pas de soucis, hein. Ça fait plaisir, hein. Si vous en faites chacun de votre tour ou tous les deux en même temps, ça fait toujours plaisir, hein, vous savez. Hop, je bois parce que j'ai beaucoup couru aujourd'hui. Hein. Allez, je monte level 42, moi et les Dell, et je pense que je vais vous laisser là, les gars, parce qu'il va être 23h passé là. Je pense que ça va être crevé. Donc, alors, du coup, je profite de la soirée, mais je reste en soutien, oui, yes. Hop, on va affronter ce monsieur là déjà. On va voir. Attends, j'ai rien dit, j'ai rien confirmé. Déjà, on va continuer le jeu. Et on va voir ce qu'on fait après. Alors, qui tu es, toi? Team Aqua. Ok. En fait, c'est juste un gars de la Team Aqua. Allez, Kaorin. Je sais pas si c'est une pierre soleil ou pas. Allez, n'hésitez pas à... Ouais, les informations de ma chaîne. Merci, James Sachs. Tu veux voir ce que je fais sur ma chaîne. Tous ces jeux-là, actuellement, on n'est pas sur Nexus. Il y a une faute, je dois la modifier. On est sur All For One. On est sur Ratchet & Clank Call for One, on a fini Nexus en 3 lives.
Et là, cette semaine, demain, on va faire du... Non, pas demain. Jeudi, on va faire All For One. Samedi, du All For One. Et dimanche, pas de All For One. Et on aura du Bloodborne, du Pokémon. On a pas mal de jeux là qui vont arriver, ça fait plaisir. Compte sorti de nulle part. Bah, c'est bien. N'hésitez pas, hein, si vous voulez faire vos... les commandes de la chaîne à n'importe quel moment, vous savez, vous avez mon libre arbitre, les gars. Vous avez mon libre arbitre. Vous faites ce que vous voulez à votre façon. Carvanet utilise ma chouille. Ok. Ok, très bien. Bon, bah, elle est belle. À toi de jouer. On fait ce qu'on veut. Ouais. Et d'ailleurs, c'est qu'Aurel, il y a des points de chaîne. J'en ai ajouté plein depuis la dernière fois que t'es passé. Va faire un petit tour, va checker. Tu vas voir, il y en a énormément de points de chaîne maintenant. Je remercierai jamais Luna qui m'a aidé. Merci à elle, fortement. Il y a pas mal de choix. Et ça fait plaisir. Parce qu'il y avait assez de points de chaîne que tu vas mettre un Pokémon genre Gardevoir ou Balbuto en Kaorin, tu peux le renommer. D'ailleurs, émule-moi, tant que je te tiens, émule-moi, tu dois me donner ton Pokémon. Tu dois me donner ton Pokémon que tu veux mettre dans la ligue, dans la liste. À part Dratak, Libégon et Metalos, tu peux pas parce que c'est quelqu'un d'autre, c'est l'Eric qui a déjà acheté. Mais je vais mettre à jour ma liste parce qu'elle est pas à jour. Mais même moi, si jamais tu es encore là, n'hésite pas à me le dire avant que j'oublie. Si tu veux choisir, parce que du coup, à chaque fois, j'oublie de t'en parler. Et puis, il y a encore d'autres choix pour les autres, si vous voulez. Il y a encore du choix, donc vous pouvez voir entre vous. Olé, la musique. D'ailleurs, si vous voulez des points de chaîne, Aurel, je crois, si tu m'as déjà donné. Si tu veux de la musique aussi, Aurel, dis-le-moi. Ah, il est parti dormir, j'ai pas fait gaffe. Il a dit bonne nuit quand ? Non, il est là. Il est encore là, je crois. Je crois qu'il est encore là, je suis pas sûr. Il est peut-être parti dormir, ouais, peut-être. Ok, je sais plus. Allez, on va faire Medina. Go! Allez, l'attaque vif, aéropiqué. Elle est trop bien, aéropiqué, en vrai. C'est une trop belle attaque. Il met un film de pétanque. Super, tous ces points de chaîne, j'adore. Ah, t'as aimé? Ouais, franchement, une belle liste, là. Ah, je prends mon temps pour améliorer, hein. Mais non, mais il y a le droit, moi je pars souvent des chaînes sans rien dire, hein, des fois, hein, vous savez, les gars. Parce que je contrôle l'espada. Vous savez, n'importe qui a le droit de partir quand il le souhaite. Enfin, sans dire bonne nuit ou quoi, vous savez, moi je m'endors des fois sur les lives, ou des fois je pars parce que je suis pas le temps de dire au revoir et je suis parti. Ne vous inquiétez pas, les gars. Et les guys. Cool, j'ai bien aimé encore. Je peux absolument pas gagner. Alex remporte 600 Poké-Dollars. Olé! Le secret de notre planque, eh bien disons qu'il y a un sous-marin tout au bout, mais pour le moment, hep. Ok, il y a une Pokéball ici. Il y a une sauvegarde ici. Et les amis, 23h05, je suis fatigué. Je voulais jouer une petite heure et demie à Pokémon à peu près, je l'avais dit. Et je pense qu'on va aller voir quelqu'un d'autre qui va prendre le relais sur le Don Alex. Vous étiez beaucoup à parler ce soir, merci à vous tous, vous étiez pas mal nombreux, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Je sais pas qui est en live. Est-ce qu'il y a des gens qu'on raide jamais qui sont en live? Ah, y'a, ok. Y'a Linko, y'a Terrestrine. On peut aller voir Dissiman aussi. Y'a un doute. J'ai un petit doute. On va aller voir l'Incognito, ça fait longtemps qu'on a fait voir Linko. On va aller voir l'Incognito, les amis. Oh, la manette qui a tremblé. Ok. Merci là, ok. Ok, la manette qui a bugué, je crois, les gars. Ah merde, je peux se regarder en plus. Oh, attendez. On va aller voir l'Incognito, les gars. On va aller voir l'Incognito. J'étais le faire un petit coucou hier, on va le faire un petit coucou ce soir ensemble. Linko le rageux, on l'aime aussi. Allez, je vais voir mon ami Linko, que je connais depuis mes débuts sur mon retour de Twitch. Et il est super gentil, Linko, vous avez passé un moment. Attendez, Red, Linko. Attendez, je vais bien écrire l'Incognito. L'Incognito TV. Merci pour ce bout de live, mon cher Alex, c'était cool. Merci d'être passé, Aurel, ça m'a fait plaisir de te voir. Dès que je te vois en live, dès que je suis chez moi et que je fais rien, je tiens à te faire un petit coucou. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas été beaucoup chez moi, Aurel. J'ai pas eu le temps de te faire un petit coucou de mon côté, mais je vais me rattraper, ne t'en fais pas. Je te doute. On va aller voir l'Incognito. On va faire un petit coucou à l'ami Linko, qui je connais depuis plus d'un an. Et qui est super gentil, super adorable. Il est super sympa, vous avez passé des bons moments chez lui, vous inquiétez pas. Il est comme moi, un joueur rétro, mais lui il est plus passionné que moi encore plus que vous. C'est un très bon passionné de rétro, il est super sympa. Pas grave, t'inquiète, mais oui, bien sûr, tu sais, je t'aime comme ça, Aurel. Et si tu veux qu'on discute, dis-le moi, hein. N'hésite pas
à me le dire maintenant, là, y a pas de souci, on discutera avant que j'aille dormir. Sans que je dors pas de suite, j'ai un quelqu'un qui va venir chez moi il y a pas longtemps de faire un coucou. Adorable, rageux, bisous à vous tous. Merci Jenny, merci Aurel, merci Demsax, merci Elcor, merci à toutes les personnes qui étaient présentes aussi, genre Emile Moi, Cairo, et j'en passe, et Matin Games aussi. Bonne soirée tout le monde, et donnez du love à Linko s'il vous plaît. Enfin, restez pour lui faire un petit coucou et le maximum d'amour, il va être content de voir qu'on a beaucoup à donner de l'amour, il est super sympa en plus. Allez, je vais chez Linko, on se retrouve jeudi soir. De 18h à 22h, je vous mets le planning juste avant d'aller dormir. Et regardez le planning parce qu'il va être en fin de semaine le reste des lives. Donc on se retrouve en fin de semaine, les amis. Jeudi, vendredi, jeudi, samedi, dimanche. Donc jeudi, Bloodborne, Pokémon. Samedi, Bloodborne et Ratchet & Clank. Et on verra. Et puis dimanche, on ira sur du random. Des bisous, c'est Don Alex. Ciao tout le monde. Ça, grand raid.